an opportunity that will never come back. Think twice, the glass, but prepare for any price. Close life and as easy as rolling a pair of thighs. So I changed that like way back, looking for some better breeze. My new way of thinking got me thinking about new melodies. So I'm here to share them, not here to spare them. It's my way of expression, take it as a fucking jam. I'm spending most of my life in my brain, man. Always sort of free space, acting like a pain chain. Cause the physics got the limits, also feeling like infinite. No, let me show you my way of thinking for a minute. Analyzing everything that I see, any situation, every word, every personality, every living being, every laws of the physics, every behavior, every trust, every critics. And it's been like this way before I was a teen. It's in my teens, from the start, man. You know what I mean? Cause every scene I've seen told me more about life than the things I've been learning in school since five. And I'm trying to find my way like you all every day. Always aim for the skies, maybe one is gonna pay. But I'm feeling like my mind's always trying to go away. I'm still opening my eyes slowly to the games we play. No aiming for the skies, hoping to find better lives. Always aim for the skies, hoping for the unexpected to show up like the sunrise. Always aim for the skies, always aim for the skies, always aim for the skies. I was aiming for the sky. But you're already in space if you're living on Earth now. Don't fall back, never wait, just act. If you miss an opportunity, we'll never come back. Stick to our thick glass, but for any price. Cause life ain't as easy as rolling a pair of thighs. You are changed like a way back, looking for some better breeze. And you, where you're thinking, got me thinking about new melodies. So I'm here to share them, out here to spare them. It's my way of expression and I always keep it real, man. And I always keep it real, man. Always, always. Hey, hey, hey. Always aiming for the sky since the first breath. Always standing on since last till the last step. And only the one to try got the real strength. Change things of the life before the day they go away, yo. I got lost in the vicious cycle of the system. Living in the comfort zone got me losing wisdom. Consumption is illusion of the pleasure. It's the reception of the never-ending leisure. We all having our problems, we'll lack the appease. And we all got a way to forget about these. Game, sex, food, alcohol, money and weed. Keeping our spirit away from the things we really need. Spending most of our lives always aiming for the skies. You could be the one who tries. If you can't stay wise, then never close your eyes. Always aim for the sky. Always aim for the sky. Always aim for the sky. But you're already in space if you're living on Earth now. Don't pull back, never wait, just act. If you miss an opportunity, we'll never come back. Think twice, take lies, be prepared for any price. Cause life ain't as easy as rolling a pair of thighs. So I changed like a way back, looking for some better breeze. And you, what you're thinking, got me thinking about new melodies. So I'm here to share them, not here to spare them. It's my way of expression and I'm never gonna stop. No, I'm never gonna stop. Keeping it up till the day I die. It's like filling up a jar, drop by drop. But I've been spending my life always aiming for the skies. 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 Et bonsoir à tous et à toutes, ici Dorage TV pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui avec Bounty pour cette fameuse finale, demi-finale, excusez-moi, entre Chrono et NGNL. Salut à toi Bounty, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bien, bien, très bien. Et puis je suis tout le temps à la prod et puis maintenant je vais pouvoir cast un peu aussi. Bon, à moitié puisque je prod toujours, non? Hein, quand même, hein. Faut pas exagérer, on peut... t'es pas une femme. On est en comité restreint, en quoi? En cast restreint, là, tout de suite. Hein. On va pouvoir... sans perdre de temps, parce qu'on est déjà un peu en retard, désolé de te presser, hein, Dorage. Pas de soucis, pas de soucis. On va pouvoir passer directement au roster. Donc on a deux magnifiques rosters, on a NGNL qui font leur premier match sur scène, j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont fait 2-3 scrims ensemble. Je te laisse le présenter. Bah comme tu veux, parfait, ça me va. Du coup, NGNL a une nouvelle équipe, bien évidemment, avec comme manager Ryan. Hein, pour commencer, Rain, excuse-moi pour les pseudos. Hein. Après, nous avons bien évidemment en tank, normalement nous avons un cher Messen,
Mais malheureusement, absent pour ce soir, ça arrive à tout le monde. Hein. Regardez-nous, on est obligé. Et du coup, nous avons un sub qui le remplace. Merci à toi, Zika. Et du coup, en off-tank, pardon, rien ne change. Nous avons Capo en off-tank, Fino en DPS, Natlou, pareil, et Lutuxpunk et Estwind en heal, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. On peut passer directement au roster suivant, le roster de Chrono, de l'équipe de Chrono. Et bah Chrono, qu'on a déjà vu avant, que j'ai aussi catch leur match, cast leur match, hein, match. Est-ce que c'est moi qui va leur donner la chance de gagner ? On verra ça. Du coup, comme manager, bien évidemment, en manager, nous avons Memo Yeto. Il est plus là, il est plus là. Il n'est plus là. Pas de soucis, rest in peace, hein, ça arrive à tous de quitter une magnifique structure. Nous avons quand même mon coach Aikera qui nous accompagnera d'ailleurs en analyse. Ouais. Exactement. Du coup, en attendant, nous avons Inox et Ciboulette en tank, Oni et Nizen en DPS, Mind et Rika en heal. Bien évidemment, c'est une bonne équipe qu'on a vu déjà la dernière fois battre de nous. Ouais, c'est ça, ils donnent du spectacle et c'est ça qu'on veut voir. Et on va directement partir sur la première map qui est Oasis, mon cher Bounty. Faut voir d'abord avec les joueurs, on fait quelque chose en son temps. C'est compliqué de prod et de suivre en même temps. Okay. Tu me demandes d'accélérer, moi j'accélère. Hein. Ah, excuse-moi. Alors on a la team de NGNL hein, qui doit nous donner son R d'abord. Je pense que ils sont prêts, hein, avec ces petits cœurs là, comme ça. Oh, oh. Ouais. Et du coup, Oasis qui est quand même une map assez intéressante dans les deux côtés, parce que c'est une bonne map à attaquer et une très bonne map à défendre. Hein. Il faut pas la sous-estimer. Et on va voir les compositions. Les compositions qu'on pourra trouver justement sur cette map, ça sera peut-être sans doute de la dive, de la double shield ou de la rush. Ça, c'est une map, on va dire, assez mixte. Même si je pense que deux maps sur trois, en tout cas sur Oasis, ce sont des maps à dive, hein, bien évidemment. Sauf que University est la seule map où, on va dire, où la double shield et la rush sont prioritaires. Et on va commencer sur la map qui est Jardin dans les airs, si je dis pas de bêtises, où c'est une map à dive. On peut s'y attendre. Et c'est une excellente map. Avec cette belle hauteur, mais il faut faire attention. Si on a un Lucio ou un Winston en face, il faut faire attention au bout pour pas, avec ce vide hein, qui est à côté du point, on peut facilement les pousser dans ces coins-là. Ouais, après, c'est pas un spot très obvious qu'on remarque directement. Donc, en général, c'est beaucoup plus simple pour un Lucio qui en a conscience de pousser les gens dans le vide. Exactement. Et on peut voir déjà que les compositions sont assez atypiques. On peut voir que directement que chez Chrono, ça va prendre de la dive Amon Diva avec un petit follow-up. Ça switch directement, excusez-moi. Ça va switch une rush classique, hein, Ren, Zarya, Makri, avec Laiko qui est extrêmement forte en ce moment. Et là, Ana, Lucio en défense. Et comparé côté NGNL, on peut voir aussi que ça part pareil sur de la Ren, Zarya avec de la Pharah Mercy cette fois-ci, pas de Laiko. Et à Ana et de Makri en défense. Du coup, on peut voir que déjà ça s'agresse sur le point. Il y a Pharah qui va mettre de la pression. Ce boop qui est là pour séparer la team. Oh, le magnifique sip là sur l'inox. L'abus, ça s'agresse là, au niveau de ce top. Pour faire attention, il y a des Lucio. Oh, Nizen qui va prendre ce pic sur Natlou avec cette petite écho. Et même si le reste passe, la Mercy qui va tomber. Et attention, hein, la Pharah qui va sans doute tomber, même si elle a mis beaucoup de pression au reste de la team. Hein. Daiko qui essaie de tomber, ça s'agresse sur le point, plus de bulles. Ah, y a Zika qui va tomber sous le coup de l'inox. Onizuka qui va prendre le kill sur Capo. Et le point qui va être récupéré côté Chrono. Et ça va se jeter, ça va reset côté des deux côtés, ça va se suicider. Et première fight récupérée pour aller Chrono. Bah on a vu, hein, c'était assez. Est-ce qu'on peut vraiment dire expéditif? C'est comme premier teamfight, oui, c'est assez expéditif. Je pense que pour le moment, on peut parler de Chrono qui était un peu plus chaud d'entrée que les NGNL, mais on a tout le temps du monde pour se chauffer et c'est pour ça qu'on est une première map.
Et là, excuse-moi de te couper, mais Zika qui fait le point de vue sur Inuzuka, mais Nizen qui va stopper Natsu en ulti, il faut faire attention. Oh là là, l'Echo qui va ulti en Reinhardt et le Nano pour sauver son Rein. Ça va ulti côté Echo. Et ça va directement reset, hein, malheureusement, un teamfight perdu, très bien contrôlé côté Nizen, qui a su gérer cette petite Pharah en ulti, qui a fait 0 pick malheureusement. Et après, à switch un ult sur Reinhardt, à empaler Kaka, un magnifique shutter, et c'est reparti. Du coup, on peut voir que côté des ultis, on peut voir que Zika a bientôt son ulti, mais aussi que côté Linox a aussi son ulti. Voilà, ils ont tous les deux un petit shutter, une graviton un côté comparé à Capo. Ça peut faire la différence, il faut faire très attention à ça. Oh, la stun qui passe sur Zika, faut faire attention à ça, ça push tranquillement. Et le shutter sont 3 personnes. 5 personnes, excusez-moi, qui va directement tuer le main tank ennemi. Et ça va directement prendre le point avec un shutter magnifiquement déroulé. Je pense que ce shield a été cassé. Le côté Linox, il ne pouvait plus protéger sa team. Et malheureusement, plus de build pour cancer ce shutter. Et un teamfire récupéré par les NGNL. Ouais, tout à fait. Je dirais que les NGNL ont vu les pourcentages monter dangereusement près du 99%. Et ils se sont dit, allez, là, c'est le moment, on se réveille. Et on va vraiment prendre le point là, c'est pas laisser progresser. On peut voir que la Pharah a switch sur une mai, hein, bien évidemment. Et ça va faire un magnifique way que Linox va être justement récupéré. Zika qui va tomber, mais Fino qui fait un double kill sur ses deux DPS. Très intéressant avec cette domination au niveau de ce teamfight. Et voilà, ça va directement tuer la petite ciboulette. Et Rinka qui va tomber sous un triple kill de Fino. Très bien joué de sa part. Hein, une mai très efficace et très méchante dans ce bâtiment. Hein. Malheureusement, le souci, c'est que ce bâtiment avec la mai, ils auraient dû faire attention. Hein. C'est obvious avec une mai qui vont wall justement ça. Voilà. Mais au niveau des outils, on peut voir que justement, on a les deux graves de chaque côté. Mais attention, on a un shutter et un brochet, bientôt un nano. Pareil, oh, la graviton qui passe. Oh, le magnifique shutter sur 5 personnes de brochet qui va essayer de les sauver. Nainu qui va être contre le principe. Nainu qui va juste temporiser, et ça va être 3 kills côté NGNL, et ça va être teamfight récupéré par NGNL. Très beau teamfight, bien géré au niveau des outils défensifs au bon moment. Même s'il y a eu un magnifique shooter côté Inox, et les NGNL ont su gérer ce teamfight. Et on peut voir que côté Natsu, il a un petit blizzard, ça peut être très très dangereux ce blizzard, hein. Il faut pas oublier, Ciboulette encore, la Zarya a toujours une graviton. On la voit là, mais on la voit, il faut faire attention, ce Wo qui va bloquer Ciboulette, mais la magnifique grave, hein, la Echo qui va surgir, la Purple sur 5 personnes qui va faire un double kill, et Nisa qui va prendre un double kill avec un gros marteau, triple kill, gros marteau nano boosté, et ça a été next direct, et ça reprend le point à 96%. Un dernier, il faut du coup un dernier teamfight. Pour savoir qui remportera cette première map. On a un shutter et un petit blizzard, comme je le disais. Et un shutter qui va toucher personne, malheureusement. Mais il est tout seul, il fonce tout seul, il faut faire attention. Lucio qui va essayer de toucher, et c'est Macri qui touchera. Le blizzard qui va être reposé sur le point pour essayer de temporiser. Deux kills, 2 à 4. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Zika qui réussit à prendre un kill, ça se départage. Hein. Attention, il faut faire attention. Mais malheureusement, les chronos qui vont réussir à gagner de ce dernier team fight et première map récupérée par les chronos. Et mérité d'ailleurs, parce que c'était assez beau comme map de chauffe. Parce que ce que je dis toujours, c'est que la première map, c'est une map de chauffe finalement. Donc c'est pas là où on voit le vrai skill, vraiment ce qu'il va y avoir pendant le match. Mais là, on a eu, je sais pas comment on appellerait ça, une bataille de chauffe. C'est-à-dire que pour moi, les chronos étaient clairement plus chauds. Ils étaient là, je sais pas, ils se sont échauffés avant, ils ont fait quelque chose, mais ils étaient clairement plus là. Et les NGNL se sont réveillés derrière. Ils ont fait « Ah, nous aussi, on commence à être chaud là !» Et puis derrière, les chronos avaient déjà pris un peu l'avantage et je pense que c'est ça qui leur ont permis de récupérer la map finalement. Je pense surtout qu'il y a eu une mauvaise communication côté NGNL, hein, c'est parti dans tous les sens, hein, il faut faire plus attention à ça côté NGNL. Et du coup, ça part directement sur deux dives de chaque côté, Winston Diva contre un Amon Diva, avec Genji des deux côtés, mais une hache côté... côté chrono. Et du coup là ça va complètement dive, hein, ça va séparer la team.
On a Ecole et Winston qui viennent embêter justement cette petite backline hein, avec cette petite hache et les deux heals et ce Genji qui essaie de les protéger, mais il faut faire attention. Fino qui va prendre le ki sur Inuzuka, mais Ninox qui va bouffer cette petite diva qui n'a plus de boost et qui va écraser ce Genji. Et ça va enchaîner avec un magnifique reste de la petite hache. Ça conteste toujours le point. Attention, ils sont plus que 300 points. La belle Nade qui va toucher 3 personnes. Ninox qui va tuer Anna. Enfin, attention, ça a un peu de heal. Le snip sur ce monkey qui va être fini, panisé. Et ce petit Lucio qui essaie de temporiser au maximum avec du heal. Mais malheureusement, il va tomber. Et cette diva qui va back le plus vite possible pour pas se faire punir. Très belle action côté chrono. Ouais, c'est ça, ouais. C'est chrono. D'ailleurs, on a un petit ult de Amon qui est prêt, hein, des petites mines. Et carrément le Nanoboost aussi qui est prêt. On a un petit avantage côté chrono numériquement, mais ça veut pas dire que NGNL ne sont pas dans la place. La purpose sur 3 personnes, excuse-moi, mais il y a eu une purpose sur 3 personnes qui a pu le conseil. Et la Nanoblade qui va être directement partie, qui va one shot Fino, qui va tuer cette putée de Nana, et ça va dérouler tout simplement. Ça a été mis, il y a quand même une petite purpose, mais malheureusement Nizette qui va pas mourir, qui va pas être puni. Presque la diva d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Linox il essaie de chercher son ulti, mais attention, il va aller poursuivre. Ah, oh, la diva qui perd son mecha, très intéressant. Ça continue, ça finit, et oh, la Anna qui meurt, Capo qui va prendre un kill sur Nizek, justement qui était en train de back, et ça va dive. La Blade qui a été claquée sans le nano, ça n'a pas mis le nano malheureusement, ça attend, je sais pas, c'est, ça se regarde. Malheureusement, la Blade qui a été mise dans le vent, qui fait 0 dégâts, et ça va temporiser côté Linox et la diva. Et Cibouette, bien évidemment, hein, on peut voir que Cibouette ne fait pas non feu, mais que le petit Nindox, avec cette boule, il bouge, il aime bouger, il temporise un maximum, hein, ça monte à 63-64%, et ça va monter jusqu'à 65%, mais ça a été récupéré côté NGNL, et attention, ça, Natsu qui grindait soit dessus, et que Nindox va le punir, hein, parce qu'il n'était pas mort. Nindox qui va ulti, et qui va essayer de mettre plein de mines, hein, pour tous les tuer, mais malheureusement, ça ne fait rien. Echo qui va prendre Fino qui va prendre le Amon, mais malheureusement il fera pas grand chose parce qu'il sera slip. Brochet de Nano Boost et le Nano Boost qui a été claqué sur le Winston qui va essayer de contester. Le Bob qui a été lancé sur un point côté Onizuka. Ça se regarde, ça se fait des gros dégâts, mais malheureusement ça ne conteste pas, ça ne touche pas le point pour l'instant, ça ne fait pas ces dégâts. La bombe qui a été fail sur ce coup, qui est dommage. Attention, le Nano Boost sur Nizen, mais malheureusement il n'a pas de blade. Un petit pourcent, il claque sa blade, mais c'est un peu trop tard, mais qui va réussir à prendre un kill, un deuxième kill sur Natsu, qui a pris là son bras à ce moment-là pour essayer de revenir plus vite sur le point. Nizen qui va mourir de Fino, et Onizuka qui va revenge son allié, et Capo et Zika qui vont temporiser un maximum sur le point. Bon, pour pouvoir gratter le plus de pourcentage possible, mais malheureusement ça va mourir, ça va être goop, hein, bien évidemment. Ah, Linox qui a été hack, mais ça conteste toujours. Côté Lucio, East One qui conteste extrêmement bien. Malheureusement ils vont mourir, mais si vous êtes qui va décéder au coup de Natsu, ça va ult, ça va être hack. Moira, la Rinka qui va être hack, hein, avec cette petite Moira, conseil de ulti, très bon ulti. Et ça va garder le point côté NGNL, très impressionnant. Malheureusement on n'a pas eu des bons focus. Voilà, pour le mecha qui tombe côté Zika, ça se fait, ça va charger les ultis, on voit qu'on a les usut, hein, le hack, il a peur pas de trop grand qui va décéder, il fondre avec cette écho et son bras du Suana dessus, ça fait très 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 mal. Ah, Fino qui va prendre l'ulti, qui va prendre la diva en ulti avec sa petite écho, qui va tuer, ah, Rinka qui ne survit pas, la bombe qui va être lancée, qui va sans doute prendre un pic, et non, ça a été protégé, ça s'est sauvé, et Capo qui va prendre le pic justement sur cette petite Anna. Baby Diva, Cibouette qui essaie de charger son mecha le plus rapidement possible, mais malheureusement elle va sans doute mourir avant. Voilà, et Linox qui ne peut rien faire avec cette Sombra qui arrive à extrêmement bien le contrôler. Et UMP qui va empêcher ce petit Rinka de toucher le point, et c'est la deuxième arme récupérée par les NGNL. Totalement, et je comprends ta douleur là de parler là, parce que moi ce que je vois là c'est des teamfights mais très 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 dispersés, il y a des gens partout, il y a des gens, il se passe des trucs partout, il n'y a pas de, je sais pas si t'es du même avis que moi, mais il y a rien qui est groupé, il y a des trucs qui se passent à droite, à gauche, il y en a qui arrivent sur le point, il y en a qui sont déjà sur le point, c'est, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu brouillon je trouve pour le moment. Et c'est le bon terme, c'est un peu brouillon des deux côtés, même si ils avaient, même si je pense que les NGNN ont mieux joué leur dive, car ils avaient un flanker, enfin ils avaient une hache, et du coup la hache pouvait rester justement avec ce heal, en sachant que là les heals étaient restés, étaient à eux-mêmes. Bon, du coup
des deux côtés, c'est de la rush. De la rush, hein, avec Reaper Mi d'un côté et Reaper Macri de l'autre. Moira Anna et Lucio Anna, un côté, un petit avantage au niveau du speed. Et cette pin qui va être protégée par une magnifique bubble. Ça va être gelé. Zikita qui va être gelé. On disait Kaka qui va prendre un pic, Linux aussi. Mais Estwan qui va prendre le pic sur cette mais. Très important ça, parce que plus de wall, plus de gel. Très intéressant. Le slip sur Inuzuka, mais malheureusement qui va pas être puni. Et teamfight remporté par les petits chronos. Très bien joué côté chrono, ça a su se défendre. Les petits même chronos. En... c'est un peu la Chrono Academy quoi. Les petits chronos. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on peut voir qu'au niveau des outils, il y a un énorme avantage côté Inox. Regarde. Et c'est ça, Inox qui va se préparer pour un shutter coréen, comme on appelle ça. Mais il a été vu, il a été slip, mais slip, il charge. Mais malheureusement, il a claqué son shutter et malheureusement, pas de follow-up. Malheureusement, hein, il est mort tout de suite affilé. Il fallait attendre, il fallait garder son shutter pour plus tard. Et du coup, là, ça va avancer le mur de mai. Le Ainoun, Ainoun qui va essayer de temporiser. La Moira qui est à l'intérieur du point en ulti qui va faire des énormes dégâts. Et la Cibouette qui va prendre un pic. Il soigne aussi. Il nous qui meurt. Le shutter sur 3 personnes. Ça va essayer de tuer, mais ça ne tue aucun personne. Aucun follow-up sur Reinhardt. Le nano boost qui va partir sur Reinhardt qui va être slip. Hein. Il est purple, le Reinhardt. Ça peut le punir. Ça peut aller le tuer avec ce Rein qui a été aussi nano boosté. Inox qui va mourir. Mind aussi. Et c'est un point bien contesté. On monte jusqu'à 55% côté chrono, mais malheureusement ça va s'arrêter là. En tout cas, c'est sportif à caster d'après ce que je constate. Alors, on a aussi notre petit Reaper qui est caché sur le côté. Je sais pas si tu l'as aperçu. C'est ouais, je l'ai vu Onizuka qui est sur le côté et il faut faire attention à ça, même s'il n'a pas de but, il faut faire quand même attention parce que ça peut bien aller. On a un brochet des liens blizzard côté NGNL, on partait à tout moment, et le blizzard qui va être parti, qui va toucher quasiment tout le monde, ça va essayer de s'en sortir, mais malheureusement Nizé et Cibouette qui sont gelés avec Rinka qui va tomber bien évidemment, la charge qui va. Une charge suicidaire qui vont prendre les deux main tanks. Nizé qui va prendre un kill, Mind aussi, attention, avantage côté. Mind au double kill, avantage côté chrono, malheureusement, mais ça prend pas le point. Ça ne prend pas le point. Qu'est-ce qu'ils font? Rester sur ce point. Il faut prendre ce point. Et ça a monté jusqu'à 45% côté NGNN. Du coup, là, ça va commencer à s'avancer. On a un avantage d'outil pour les NGNN. Hein. Il faut faire attention à ça. Le mur, la belle purple sur la mai et le. Et le Lucio, le Ainoun qui va prendre un pic sur Nizé, Zika qui va prendre un kill sur Rinka, Zika sur Rinka, Fino sur Inox. Ouh, excusez-moi, j'en perds mon latin, vu que commence à partir et c'est des beaux mots qui s'enchaînent, c'est hop un shutter, hop un Ainoun, hop ça enchaîne, hop. Ça va aller d'idée jusqu'au bout pour Inuzuka, qui va être le dernier pic de son équipe, et ça remonte à 82% côté chrono. Ce wall de Mei et cette charge, et on élimine directement l'Ignox. Ça c'est assez magique parce qu'on s'y attendait pas forcément à ce moment-là de la map. On essaie de passer à droite, on insiste quand même, hein. On essaye d'aller punir, mais. Nizé qui prend un kill sur ce main. Il faut faire attention, on a qu'un Lucio côté NGN. Il faut faire attention, ça peut faire extrêmement mal, mais ça va quand même attendre. Le Reinhardt, parce qu'ils ont pas de shield, hein. Et il faut aller taxi cette Anna, il faut aller vite taxi cette Anna, mais malheureusement, ils n'y pensent pas, hein. C'est des choses, petites choses qui peuvent faire la différence, justement. Et ça y est, cette égalité, 80%, but de Onizuka, qui va être complètement arrêté par cette stun de Macri. Et Natsu qui va prendre un pic avec ce wall magnifique sur le Reinhardt, Capo qui va prendre un kill. Oh, magnifique hut de Ciboulette qui va prendre. Deux personnes et malheureusement la mec qui tombe de Nizen qui va Fino qui va prendre Revenge Kill, de Ainoun qui va punir la Rinka qui va réussir quand même à prendre le pic sur Zinka, Ciboulette qui prend un pic sur Fino, le magnifique shutter de Inox qui va prendre deux personnes, il ne reste plus que la Anna qui va réussir à cible, mais malheureusement c'est quasiment fini, ils sont morts, il Nato qui a switch son tresseur pour aller toucher ce point le plus rapidement possible, nous sommes à 82% côté chrono, faut faire attention. Dernier teamfight pour savoir qui va remporter cette map. Dernier teamfight très décisif. Avantage actuellement pour des NGNL parce qu'ils ont un shutter très bientôt. La tresseur qui suit jusque maintenant sera Doomfist. Il faut faire attention, c'est un peu tard. Natsu qui est très bon, qui va peut-être tomber. L'overtime qui tombe. Natsu qui va malheureusement tomber sur les coups de cette Moira. Nizen qui va prendre un kill. Ninox un magnifique qui va prendre un kill. Malheureusement, un shutter qui va pas être suffisant côté Zika. Et ça va être un teamfight largement remporté à cause du stress.
stress, de l'adrénaline, côté chrono. Totalement, totalement. C'était assez. Ça va, es-tu encore en vie Je suis encore en vie, mais il faut que j'aille remplir vite ma bouteille d'eau très bientôt, je pense. Et c'est Nizé avec ce Play of the Game qu'on va admirer. On a donc 1-0 hein, pour les chronos. On a eu du. J'ai envie de dire du. Oui, c'était serré pour le coup, mais brouillon. Serré, mais brouillon, hein, on va être assez honnête. Après, rappelons-le parce qu'on l'a pas dit, c'est deux équipes qui ne sont pas. Ça fait peu de temps en fait qu'elles ont été créées, ça fait même pas un mois. Chronos connaissent déjà un peu mieux. NGNL sont très très nouveaux. Chrono, ils ont une bonne synergie, j'ai envie de dire en soi. Donc ça pose pas trop de problèmes de ce côté-là. Si ça pose pas trop de problèmes de ce côté-là, c'est parfait. Mais du coup, malheureusement, ça fait déjà. Un point d'avantage, une map d'avantage, c'est un petit coup au moral, paf, une petite pichenette, mais il ne faut pas s'affaiblir maintenant, on peut toujours gagner. Et comme ce qui nous a prouvé la semaine dernière, les chronos ont gagné contre une équipe qui ne se connaissait mieux que les chronos actuellement, que les chronos à l'époque. Et du coup, ça peut déjà, on va dire, annoncer un peu l'annonce des prochains fights. Du coup, on va déjà partir sur Numbani, une map... hybride, très intéressante par rapport à la dive. Bah justement, le format, je pense que peut-être le format de la map changera des choses. Peut-être la KOTH, quand on regarde, c'est un truc très ouvert. Donc on comprend que ça puisse être brouillon et que tout le monde soit droite à gauche. Peut-être qu'ils l'ont un peu moins bossé. Que là, on est obligé de tenir finalement des spots précis. Et on peut pas se disperser comme sur les autres maps. C'est ça. Et du coup, là, on peut voir que c'est une belle map à défendre, comme à attaquer, avec de la dive et de la double chi, comme on peut voir actuellement. En défense, ça va prendre une petite Orisa Sigma, Torbjörn. On sous-estime Torbjörn, mais Torbjörn, avec sa petite tourelle, va aller pas contre tout le monde. Et si, c'est beaucoup plus certain que je sous-estime. Avec une hache. Avec une hache. Et Zenyatta avec cette petite Discord et ce Baptiste avec cette immortalité et ce burst de heal qui peuvent venir à tout moment, ça peut être très intéressant. Et comparé et côté NGNL, on peut voir que ça peut partir sur une petite dive Widow Echo. Ça peut être très compliqué pour la Widow, un double shield, il faut être logique. Hein. Et Zika qui prend extrêmement cher là avec sa petite poule, il faut attendre derrière. Ah, Zika qui grille et qui perd son mecha, il faut faire attention. Et ce Lucio qui... Qu'est-ce qu'il fait ce Lucio? Il fait le tour, ça va aller directement sur le point, ça va sauter, mais malheureusement, Echo et Merci qui sont passés par en dessous vont mourir. Estwin, Lucio qui va les rejoindre dans la mort, hein, et ça va... Et Capo qui va mourir, hein, tout simplement. Et malheureusement, un désavantage, Zika qui va essayer de mourir, mais malheureusement, un peu tard, hein, il fallait mourir beaucoup plus tôt. Petit délai quand même. Là c'est ça, et la Merci qui va être directement switch sur une petite Ana. Et ça va partir directement sur une double shield en attaque. Très intéressant, mais ça va garder cette Widow. Je ne comprends pas, personnellement je ne comprends pas cette Widow. Hein. C'est... Même s'ils ont une hache, une double shield. Je comprends pas non plus. Par contre la double shield peut être très intéressante, hein, parce que c'est vraiment une composition qui te force à communiquer et qui te débloque la communication pour toute la game ensuite. Quoi. C'est ça, et on peut voir que ça commence à aller au top, et on voit que ça pique un Junkrat pour essayer de détruire les shields les plus vite possible. Ça détruit, mais heureusement Rinka qui prend un pink sur Itux Punk, cette petite Anna qui s'est paumée au top, et ça va aller sur le point. Attention, un petit avantage côté chrono, mais il faut pas sous-estimer. Zinka qui va prendre un pic, Nemes qui va revenge, mais malheureusement Est et Natsuo qui vont prendre aussi deux pics, Sibouette qui va prendre un pic juste derrière. Mais malheureusement, Sibouda qui essaie de tenir jusqu'au bout, qui va être seul. Et ça va aller prendre jusqu'à un tiers. Voir si ça conteste, ça peut aller contester. Il faut faire attention, il faut être deux sur le... J'ai pas trop compris hein, non plus pourquoi... Bah justement, on parlait de la Widow. Fino qui s'est acharné sur la Orisa de Ciboulette, qui l'a mis super low et qui ensuite l'a abandonné. A décidé d'attaquer la hache. Alors qu'au final, elle était pas en danger, elle avait juste attiré une fois et la Orisa serait tombée bien avant. Ouh, il y a une belle tête sur Nizuka. C'est ça, un joli magma qui vient essayer de temporiser sur le ça et aussi. Ouh,
Kino qui fait un double kill, qui va utiliser son ulti et qui va essayer de pique tout ça. Un joli magma, hein. On a vu que le magma est utilisé. Ça peut faire attention. Oh, la roue qui va utiliser, attention, attention, c'est a été détruit au coup de poing. Très bien joué côté ciboulette, Kino qui va détruire cette immortalité. Attention Sigma qui va utiliser son ulti, qui va être cancel. Très bien joué de sa part, hein. Et ça va prendre qui sont Inox. Un teamfight largement remporté par des NGNL. On peut voir que côté, en tout cas au côté du team, on peut voir qu'il y a un avantage côté NGNL vu qu'ils ont beaucoup plus utilisé Natsu, triple kill. Il l'a pas fini. Et Infino qui dit à Nizé, tu pars pas, tu restes à terre, tu pues. Bien évidemment, il ne pue pas, bien évidemment. Mais ça se trash talk, bien évidemment. Parce qu'il a mis du DO. Et quel DO? De quoi? Il a mis du DO, évidemment. Et mais quel DO? Quelle marque? Ah bah du Axe, bien évidemment. Du non, coup, on reprend sans cette petite de Marty. Ça a marché du comme... Coup, ça... Désolé. Et ça a repris justement une rush pour aller défendre ce point côté chrono. Vu que ça s'est vu que ça n'a pas marché, ça a utilisé des outils. On change direct, ça a pris Macri. Tracer, ça prend double Moira, Anna, Rain Diva, excusez-moi, le bongo qui a été utilisé, et ça va pique, Fino qui va prendre le kill sur cette Nizen, Zinka sur Inox, Natsu sur Inizuka, Fino double kill, et ça va directement enchaîner, ça déroule, ça pipa, boum, petit boum, ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom, oh non. Côté. Côté NGNL, j'ai tous les droits, je suis le seul caster ici. Allez. Et du coup, ça avance très bien côté NGNL. On voit qu'ils ont un net avantage, 3 minutes 40. Et ça va aller toucher hein, côté chrono. Pour aller faire cette magnifique parfois sur deux personnes. Et ça va finir. Nato qui va prendre un double kill. Et Capo qui va prendre un kill avec son ulti. Il ne reste plus qu'à Baby Diva. Et Ninox. C'est quoi, Tini? C'est Ninox. Oh, Ninox qui va pas pouvoir toucher à cause de ce boom. Aïe aïe aïe. 3 minutes 24 pour les NGNL. C'est monstrueux. Excuse-moi, tu as un problème de micro. Ah mince, je suis la seule prod ici. Alors, on va se calmer tout de suite. Hein ? Merci. Les NGNL là qui ont su montrer leur suprématie. Qui ont su... Ouah, non. Tu vas trop loin, tes jeux de mots là. Qui ont su... Qui montrent leur suprématie. Qui ont su montrer leur suprématie, oui, si tu veux. Ah, qui ont su du verbe savoir. J'ai compris su, ils ont su, tu vois, genre... Oh, j'avais pas pensé à cela. Tu es beaucoup trop loin pour moi, Bounty. Du coup, ils ont su montrer leur suprématie, même si on peut dire que les chronos ont sué. Là, je l'ai fait, si tu veux. Et du coup, on peut voir que directement en attaque, en défense, ça va reprendre la double shield. On s'est dit, en attaque, ça c'est bien, on s'est bien sorti. Allez, on va tester encore une fois. Hein. C'est avec une écho. Cette fois-ci, et la brigitte qui va aller temporiser et mettre du shield sur ses petits DPS, hein, et son petit heal, hein, bien évidemment. L'astuce, justement, avec cette petite brigitte, c'est qu'elle met justement des packs de heal à tout le monde et qu'elle laisse Anna s'occuper des tanks, justement. C'est ça qui est assez bon, même si parfois Anna doit aider la brigitte parce que c'est une brigitte, et ouais. Et du coup, on peut voir qu'en attaque, ça va partir sur une dive Winston Diva, Genji Anna, on prépare déjà un Nano Blade, avec un Lucio et une Tracer. Très, très intéressant. Déjà, hop, ça monte directement au top, hein, ça se coordonne, ça s'attend tout. Et ça, déjà, là, on s'attend à la double shield, hein, je pense. Oh, ça commence à agresser hop, directement sur la droite. C'est ça. On voit que la Tracer, voilà, la Tracer qui a scout tout ça, Inox il va sauter mais qui va se faire bump, magnifique pull, mais la purple qui va prendre un kill sur Natsu, qui va rendre purple, Nizé double kill, c'est moi qui va prendre un kill sur Zika. Oh là 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 là, malheureusement les NGNL n'ont pas su bien réceptionner cette dive parce qu'ils n'ont pas eu une excellente dive à réception de dive, une double shield réception de dive, pardon. Ah mais moi j'aimerais quand même donner une mention au réflexe de Iswin qui faisait en sorte que la backlane était vraiment ils auraient pas pu prendre les NGNL par derrière, c'était impossible. Il y avait des réflexes mais insane du côté de Iswin sur sa Brigitte hein, qui a maintenant switch sur son Lucio évidemment.
Et là, Purple sur 3 personnes. Natsu qui va ghost justement pour enlever ce Purple, pour aller le sauver. Ça va être vraiment agressé. Et on a pris un report côté Natsu hein, pour faire beaucoup plus de dégâts. Ce caillou qui va toucher et ça va back directement. Ça se regarde, hein, bien évidemment. Ils font très attention à la tresseur qui les poke de temps en temps. La blade qui va être partie, le nano blade qui va être partie, qui va prendre un kill sur Estwind. Double kill, triple, quadruple kill. Excuse-moi, ça a été beaucoup trop vite pour mon petit cerveau. Et Onizuka qui va prendre un double kill sur les tanks. Très beau team fight. Ça va être expéditif. Aussi de leur côté. Parce qu'on est déjà à 6 minutes. Quoi ? Alors c'était rapide pour ton cerveau, mais je pense à mon avis que pour ceux qui sont pris la blade, pour le NGNL, ça devait être très long. Hein. Ouf. Bah eux ça a été mort, aussi... Une mort lente et douloureuse. Ah ouais, ça a été fou. Zinka qui va essayer de dormir, ça va aller dive directement. La bombe d'Iliva qui va peut-être prendre un pic, et non, ça va bien bubble au bon moment, les bons personnages. Makri qui va à Enul, qui va être reflect par Lizen et Zika qui va tuer ce Rinka Zink. Ah, et Natsu qui se fait éliminer par Natsu. Oui, Natsu. Lizen qui va punir malheureusement. Ça grito trop. Il faut backer. Swim qui se fait éliminer bêtement par Ciboulette qui aurait pu presque aller chercher le Rain. Hein. On va le chercher d'ailleurs. Le Rain qui tombe directement. Et toute la team derrière de NGNL qui tombe un par un, on a même claqué un mur de son, ça j'ai pas compris pourquoi, mais... Un brochil inutile, c'est honteux. Ouais, ils avaient fait un truc parfait. On en a pas énormément quoi. C'est ça, mais quand même ils ont... C'était pas... Il fallait pas l'utiliser à ce moment-là, mais c'était malheureusement use. Du nano qui a été claqué sur ce Reinhardt. Hein. Zing qui va prendre... Mizen qui va prendre un pic sur cette petite Anna. C'est du 2 pour 2 actuellement, c'est compliqué. La Diva qui tombe, la Baby Diva qui va tomber. Et ça va être un teamfight en avantage et je pense remporter côté NGNL. Même si cette bombe qui va punir ce Zinka en mode tu as pris ma Anna, je te prends ta vie. Et Natsu qui va punir cette Inizuka. Le bon revenge. Je veux que ce soit baseline ce que tu viens de dire. Et on peut voir que côté chrono, nous avons quasiment 3 outils. Avec la Diva de Winston et cette Blade, on attend le Nano, je pense qu'on va faire un fight à blanc pour justement essayer de claquer ce Nano. Ou sinon on va tout claquer d'un coup. Et on peut voir que de l'autre côté, côté NGNL, on peut voir un Shutter et un Brochilide hein, et bientôt une Grave à 72%. On a un Nano, aïe aïe aïe, mais le Nano, l'Anna qui tombe sur les coups de cette Hachimo qui fait pipou. On a regardé la dynamite dans les yeux nous exploser sur la face et ensuite on s'est laissé prendre le pic sur Mind. C'est... Faut être plus réactif hein, une dev ça se joue on y va quoi. Mais un peu de communication et paf c'est bon, on est sur les healers quoi. C'est un peu lent. Exactement. Et du coup on peut voir que déjà ça va avancer, ça va directement Nano Blade. Et on a un brochet côté S-Win. Toutes les dynamites de Fino touche. C'est ça. Exactement, il faut... Attention, Nano Blade, le brochet qui vient d'être claqué, qui va sauver sa team. Attention, la bombe qui va faire des énormes dégâts mais qui va tuer personne. Le Shutter magnifique qui va donner contest au teamfight. Nato qui va prendre un double kill, un bubble pour contest. Une dynamite côté Fino qui va faire un double kill, pareil pour Nato. Ça va être un teamfight largement remporté côté NGNL. Et malheureusement, on a claqué un Nano Blade, leur point d'ancrage. Et malheureusement, on n'a pas pu faire grand chose. Je sais pas si t'as vu ça... La blade qui était bien partie hein, malgré le bro shield, et en fait avec sa blade il a réveillé le bob. Ah bah c'est dommage. Il y a des malheureusement, ouais, malheureusement c'est des problèmes qui peuvent arriver à tout moment et Onizuka qui essaie de faire des choses derrière mais malheureusement non, ce n'est pas très bon tout ça. Il faut switch la tresseur maintenant, ça aussi switch une rush côté NGNL. Nizen qui va prendre Zika mais malheureusement Natsu qui va prendre un double kill sur le Rain et il va faire un revenge sur son Nizen. Fino qui va prendre un double kill et ça va enchaîner sur Inka hein. On commence vraiment chaque fight avec une dynamite de Fino qui touche quoi. C'est des HP en moins hein. C'est un peu comme c'est si bon. T'avais pas de shield. Enfin... C'est ça, et c'est souvent pour ça que Diva est Prias contre une hache. C'est justement pour gober ce qu'il ne faut pas, à ne pas sortir de son contexte, bien évidemment. Hein oh Diva, elle gobe ce qu'elle veut, on est d'accord. Du coup, on peut voir que ça va jouer dans ce corner, un avantage utile. Linux qui va punir Fino maintenant. Attention, ils n'ont plus de dynamite, il faut faire attention, et ils ont un shooter bientôt. Le slip, une anneau, lutte de Reaper qui va rien faire parce qu'il va être cancel par Nizen qui va nous tuer un coup de poing.
Ouais, la purple qui va malheureusement rien faire. Et ah, l'inox qui va emballer capot. Et ça va enchaîner les kills sur Zinka et S-Wind. Et ça va enchaîner, ça va essayer le contest, hein, côté d'Anna. Ça vient à peine d'être vu. Ça prend quand même quelques petites secondes. Mais très important parce qu'on est déjà qu'à 1 minute 30 de temps qui défile et qu'on ne voit pas passer. Attention, faut faire attention parce que Zinka et Capo ont deux outils très importants. Un brochet pour bien temporiser. Nato qui essaie de là, mais malheureusement qui va tomber. Et Dedai qui sort. Qui va prendre les deux. Oui, Fino qui va prendre un heal. Le brochet, malheureusement Capo qui va tomber. Onizuka qui va prendre le kill justement sur Capo. Onizuka double kill. Nizek qui va aussi faire kill. Un Bob qui va très, très bien contester là, ce point. Ouais, ça va aller contester. Attention, Natsuo qui est là, qui est sur le point, qui essaie de faire des dégâts, qui est malheureusement stun et il mort. Ça a pris une boule pour essayer de contester. Ça va essayer de. Ça va aller chercher des temps, ça va aller chercher le temps. Nous sommes déjà qu'à 50%, c'est beaucoup. Lutte de Moira qui va être claqué pour essayer de temps pour les un maximum. Zika qui va elle mourir. Capo qui va Capo qui va mourir suite de minutes. Lotus. Lotus Punk. Et malheureusement, ça va enchaîner, ça va prendre cette deuxième partie. Mais malheureusement, nous avons que 1 minute au tie bank côté chrono comparé à 3 minutes 40 pour les NGNL. Un tie bank explosif. Malheureusement, côté chrono, je pense qu'ils se sont un peu trop sentis. Car malheureusement, il y a eu. Ah, je sais pas, ils se sont dit, ouais, on a 6 minutes de time bank, on a large temps, ils ont trop pris la confiance, et malheureusement, ils se sont fait punir là-dessus, parce que les NGNS ne lâchent pas, ils sont hargneux, ils ne lâchent pas leur proie quand ils ont chopé, et ils ont bien su temporiser. Malheureusement, ça a claqué, ça a pris du temps. Ah, pause. Nous avons besoin d'une pause, nous avons un joueur qui a quitté, qui va changer sa connexion d'après ce que j'ai compris dans le chat. Et il va aller se mettre en 4G parce qu'il lag un tout petit peu. D'accord, d'accord. Du coup, mon cher Bounty, déjà toi, qu'en penses-tu de ce match? Je pense As-tu que... un petit MVP? Ah non, pour le moment, ah, si. Alors, vraiment, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir dans les détails et pas seulement prendre le premier DPS qui tombe devant l'œil, tu vois. J'aime bien aller voir ce qu'ont fait les supports, ce qu'ont fait les tanks, plutôt que me concentrer sur les DPS. Mais je suis désolé, le boulot de Fino qui a vu une opportunité et qui a balancé toutes ces dynamites, qui a bah, clairement, en fait, il a pré-mâché le travail et puis après tout le monde est allé dessus. Et je pense que pour moi, c'est Fino qui fait un gros boulot. Je t'avoue que pareil, hein, j'aime bien aussi voir. C'est vrai que Fino a fait un excellent taf sur cette manche. Mais si on regarde les deux maps d'affilée, bon, personnellement, j'ai vu Ninox briller avec son Amon, avec son Reinhardt, avec des magnifiques shutters. Même si Zika a fait un shutter tout à l'heure à... Non, même pas, c'était Ninox qui a fait un shutter à 5 personnes. C'était juste magnifique. Et on peut voir clairement qu'il y a, là, il y a du niveau de jeu. Bon, on se calme, c'est pas du master. On se calme dans le chat, hein, bien évidemment. Mais même si c'est pas du master... Ça se voit que ça donne tout ce que ça a, et ça ne veut pas perdre. Bien évidemment, là on est bien évidemment en train d'attendre. Ah, on a un petit problème côté chrono, pardon, excusez-moi. Quoi aussi? Ok, c'est bon, ça a été réglé. C'était juste un problème au niveau du Discord, hein, il n'arrivait plus à se connecter. Okay. Mais tout va. Bien, nous attendons juste... Je te parlais que c'était Rinka qui avait un problème. Non, même pas, c'était S-Wind. Ah, mais S-Wim, c'est l'autre côté, c'est NGNL, ça. C'est ça. Non, c'est ce que j'ai dit. Hein. Mais non, c'était Linux, c'est le problème de Discord. Ah, oh, bref, on s'en fiche. C'était Linux qui arrivait pas. Oui, Linux qui arrivait pas. Ah bah voilà, S-Wim qui a rejoint. Ok. C'est bon, c'est ready, hop, on relance. Et du coup, on peut voir que déjà, sur cette petite défense, on voit déjà que ça veut partir sur Dada. Hein. Ah non, pardon, je confonds des deux côtés. Je confonds, excusez-moi, ah mes yeux. Du coup, on peut voir que côté défense, ça va partir directement sur une rush avec un Torbjorn et un Hanzo. Un Hanzo qui peut être très efficace avec la Zarya. On a vraiment une diversité de pause, pique, hein. pause. Ils ont un joueur AFK. Ils ont un joueur AFK côté chrono. C'est de la rank. Regardez, nos healers, ils sont AFK.
C'est ça, c'est AFK. Mais évidemment, nous ne crachons pas dessus, hein. Plutôt Switch, plutôt Switch. C'est ça, nous sommes assez gentils avec eux, hein, même si c'est des petits bébés, hein, il faut le dire, hein, ça sort du berceau. Non, honnêtement, si je vais parler du match d'aujourd'hui, et je vais faire tout en globalité, hein, je vais parler des deux matchs d'aujourd'hui, même si là on n'est qu'à une moitié de match. Je trouve que peut-être je les compare un peu trop au match qu'on a eu la semaine dernière, mais je les trouve beaucoup plus brouillons. C'est-à-dire que en soi, ouais, il y a des beaux plays, il y a du beau jeu, mais je trouve que c'est un peu en dessous de la semaine dernière. Il y a moins de spectacles, c'est plus dispersé, c'est, ouais, il y a tout qui est un peu brouillon, On un niveau en dessous. peut repartir, bien évidemment, hein, mon cher Bounty, désolé de te couper, mais on peut Oui. repartir, tu peux relancer, c'est bon, il n'est plus AFK. Le pipi room est fini, hein, petit chenapan. Du coup, en Installé son défense, nous aimbot, c'est avons. parti. C'est ça. En défense, du coup, nous avons Reyne, Zarya, Torbjörn, Hanzo, Lucio, Moira. Très intéressant par rapport à la combo Grave Dragon. Et alors, même si c'est pas une bonne réception de dive, ça fait quand même extrêmement de taf. Et en attaque, ça va aussi prendre une rush, enfin une brawl aussi, avec Doomfist, Makri, Moira, Ana. C'est-à-dire qu'on n'a pas de speed boost. Le problème est là pour moi, je trouve, quand on a un radar, il te faut un Lucio pour un speed boost. Une Zen qui va prendre très cher, qui va failli mourir sur ce coup. Il faut faire très attention à ça. C'est pris une tête de Natou, quoi. Ah bah ouais, hein, c'est. Ah, c'est ça, c'est. Ah, ça va commencer à agresser. Oh, Doomfist qui va prendre un Double pic sur Sonic qui a été Lucio. lancé. Inox qui va prendre un pic sur Zynka. Et ça va directement enchaîner. Un Mine qui va prendre un pic. Lazaria qui va peut-être mourir. Qui va mourir. Ça va être un point rapidement capé. Côté. De toute manière, on n'avait pas vraiment le choix. C'était rapidement ou pas du tout. Donc, on a opté pour la solution. On veut gagner. C'est ça. Mais il faut faire attention. Nous avons que. Hop, là on est en Oh, Hanzo, hein, qui overtime. traîne là, regarde le Hanzo là, qui est perdu. Hanzo, tu sais, il a réussi à s'en sortir, il poke. Finot qui va directement prendre un Torbjörn, mais malheureusement il est au mauvais spawn. Vu qu'il vient de switch, il faut faire attention à ça. Il va pas avoir beaucoup de temps pour revenir. Là il faut que ça attaque, il faut charger des ultis là. Inox qui a 90% de son ulti, il faut faire très attention à ça. Le Macri Caston, mais malheureusement qui va tuer personne. Le Doom Nizé qui va ulti pour le dragon qui a été complètement miss côté Natsu. Et le Shatter qui va passer sur deux petites personnes et qui va être récupéré avec un anneau claqué. Trois ulti. On a La utilisé petite ça. battle Fido Nizen là. C'est ça, Oh, on. emporté par Nizen. C'est ça. Et il faut faire attention. Oh, le pilote qui Malheureusement, on avance. a quelqu'un, un dragon, on va dire beaucoup trop mal en fait. Beaucoup trop tôt, c'est pas grave. Notre capot est que à 50%, mais il fallait attendre d'être mieux positionné. Et on voit qu'on a un nude défensif, on a un shutter. Et c'est tout côté NGNL. Et de l'autre côté, nous avons une Graviton, un Ainoun. Et Doomfist, ça se charge extrêmement rapidement. Et ça va essayer de toucher ce point. Onizuka qui va prendre le pick sur le Tux. Finot qui va revenge son healer. Du coup, on a moins de dégâts, mais plus de heal d'un côté. Du coup, il faut faire attention. S-Wing qui va être temporisé avec son Lucio de gauche à droite. Hop, il va rendre l'équipe folle et qui va mourir. Le Shutter qui va toucher malheureusement personne. Iswan qui va mourir. Nizam qui va prendre le ki sur Zynka. Mind sur Natsu. Et Nizam un double ki sur Finot. Et Et peut-être les un chronos triple reviennent kill. énervés, hein. Ils reviennent Les vraiment énervés. C'est Oh, vous nous avez fait poireauter pendant 10 ans sur ce checkpoint. Et bah maintenant on le passe. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, Chrono qui met une petite bifle comme ça. Oups, pardon, j'ai dit un mot magique. Du coup, c'est reparti. Du coup, on a une graviton côté capot. Ça peut être fini dès maintenant vu qu'ils n'ont pas du tout de défensif. Et c'est là le souci. Mais on a aussi une graviton côté silhouette. Ça peut être très efficace. On a Iswan qui est low. Il faut le protéger. Il a son unité défensif. Une belle purple sur Natsuno et Lotus Peck. Attention. Et Finot qui va mourir. La belle graviton sur qui touche 3 personnes sur le point. 4 points. Le Oh, qui va dans prendre le 2 back, pics. Izuka qui prend deux piques avec son Deadeye. C'est Si, ça, il ça faut y faire est, et attention. le mur du son qui est lâché pour tout seul. Ouais, c'est ça, il s'est dit, ah, je dois contester. Sauf que malheureusement, Ouais, bah. t'aurais dû entendre une. Il fallait utiliser un peu plus tôt la graviton qui va essayer de Non. contester les jeteurs. Et ça va aller jusqu'au troisième point en 1 minute. Les chronos qu'on dit, ils nous cassent les couilles. On va alors C'est foutre des chronos exactement ça. stressés pour être poli. C'est un peu la vengeance du stop d'avant sur le deuxième checkpoint, à mon avis. C'est ça. Mais maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est l'attaque. Est-ce qu'ils auront la rage de. Parce que là, du genre ça, 1 minute et tu fais les 3 points en hybride,
c'est violent. C'est violent par rapport au mental. Le mental est... a eu un coup assez sec, assez dur. Ah, et moi, ça, du coup... moi, y a un truc qui me stresse qui a rien à voir avec la game. Mais, le mec s'appelle Capo. Et aujourd'hui, j'ai cast et il y avait Capro. Du coup, ça me stresse vraiment. Je comprends. Pareil, moi, ça me perturbe quand Zynga tue Rinka. Ça me perturbe. Mais il y a vraiment Zynga. Parce que depuis hier, tu dis Zynga, mais. Zika. Ah, Zika, d'accord, je comprends Zynga depuis avant. Non, mais excuse. C'est parce que Rinka, Zynga, Zika. Pardon, voilà. C'est n'importe je suis quoi. Une sexique, ok. On ne juge pas. Hein, le sautier, on va dire. Ah non, merde, non, c'est Nizen, merde. Et du coup, en défense, ça va repartir sur de la petite. Brawl, mais avec un Macri Sodior et Moiran. On voit que même si ils ont pas de speed boost pour ce main tank, ça fait un avantage, mais on sent qu'ils sont lents au niveau de la composition. Là, ça, là c'est pas si grave parce que justement ils sont sur payload, etc. Mais je pense que s'ils continuent à monter, ça, un Lucio sera indispensable. Et on peut voir un TP Timetra directement sur le point. Non, directement au top, mais malheureusement ça a été directement détruit, du coup, bah... Ah, c'est nous sommes en crossfire. Ah, y a la Fino qui va prendre une belle purple, pareil pour Capo, qui vont mourir instantanément. S1 qui va mourir, et malheureusement, bah, premier team fan déjà récupéré par... sans trop de difficultés côté chrono. C'est assez dommage, hein. Tu vois, je commence lentement à me dire que, finalement, le premier match... C'est pas chrono qui était chaud. Avant NGNL, mais plutôt que les deux équipes n'étaient pas forcément en forme et qu'en vérité Chrono a vraiment aussi un niveau au-dessus que d'avant en fait, tu vois. C'est ça, et on peut voir directement quoi, s'il mettra la switch sera Anzo. Très intéressant ça, hein, mais il faut faire attention à le Reaper qui fonce sur ce. Non, voilà, Anzo peut être très intéressant. Le jeu qui a été contesté par une magnifique charge, ça a été très greedy et ça va prendre directement un double kill, ça va aller sur le point, Mind qui va être boum. On prend le pic sur Nizen allez. De la part de Fino. On essaie de récupérer la Anna désespérément depuis tout à l'heure, on n'y arrive pas. Et un magnifique slip hein, pour dire tais-toi. S1 qui va essayer de faire son ridituation et qui va prendre le pic avec Fino qui va mettre la petite flèche au loin. En mode je suis Robin des Bois. Toi, Robin des Bois. Hein. C'est... Allez, excusez-nous, hein, on a eu que. Mais qu'est-ce qui se passe? Fino qui a grid et la Zika qui est aussi beaucoup qu'est-ce trop que Zika faisait là. Pardon, mais excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il faisait là, Zika? Bonne question, mais on voit que Natsu a switch sur un petit bastion. Ça veut prendre le bastion pour aller jouer sur le point avec une petite merci. Très très dangereux, hein, parce que merci Lucio, ce n'est pas beaucoup de heal, il faut faire très attention à ça. Et il y a Nizek qui va prendre le ki sur Fino. Hein. Et oh là, Nizek qui a une hutte, mais malheureusement, Natsu qui a plus de pression qu'autre chose. Hein. Ouais, c'est ça, qui a réussi à prendre la pique, Fino qui a hutté Raze. Et du coup, un bastion sur le point, un payload, hein, ça avance, ça fait des énormes dégâts au shield. Et voilà, Ninox qui va tomber après son shield, hein, 6 boulettes, ta. Natsu qui s'est mis en mode tourelle, mais littéralement. Oh, il a... Non. What? Natsu qui. Ouais, il a fait combien de kills? Un quadruple kill en tout, avec le Macri au début, mais sinon, c'est sur ce moment-là, ça a été juste un petit triple kill. Le payload, on a oublié le payload. Revenez sur ce. Mais surtout, on a qu'une minute là, faut pas l'oublier, payload. C'est ça, on a plus déjà qu'une seule minute là. Je pense que les chronos vont aller jouer avec ce top. Oh, le dragon tellement bien, mais le dragon. Il va prendre un pic sur une Izuka, là ils sont déjà. Oh, Natsu qui va jouer la Gridess avec ce petit positionnement. La Merci qui est là pour de damage boost et qui va prendre déjà un pic sur 6 boulettes. Et soit les Fino qui vont faire le taf en prenant Ninox et Nizen. Franchement là, ce petit positionnement avec ce bastion, ça fait rêver, hein, parce que c'est un petit positionnement que tu te dis, mais pourquoi il est là? Et qui te prend un pic de surprise, l'abus de Zika qui l'a sauvé de la petite Nizé. C'est bastion à terreur là. Hein. Ouais, et qui a pris Nizé. C'est le retour sur les premières heures de Overwatch ça. Bastion ça, toxique, ça. Bastion cancer, non, C'est ça, et attention à la graviton, Lutte qui a été claqué, et on a Fino qui. Nizuka qui va être puni avec son Ainun, Nizel qui va prendre un pic, Nizel qui va tomber, mais le reste de Capo, d'où Fino qui va prendre un pic, Nizel qui va aussi tuer Nizika, mais malheureusement c'est un avantage côté chrono. Oh, Nizel qui a chargé, qui va prendre un pic sur le Dux, très bien.
c'est ta table. Magnifique shotter qui va justement contre sa multi, qui va prendre un pic justement sur Onizuka. Malheureusement Capo qui va décéder de Nizel qui arrive à temporiser. Nizel qui a pris un amon pour aller temporiser. C'est déjà en overtime, attention. Et malheureusement je pense que ça va être fini dans très peu de temps si on tue c'est soin, mais heureusement ça ne tue pas. Bien regardé le chimie de Natlo, hein. Il temporise, il a un anneau, Inox il va tuer là, Zika qui va prendre aussi Nizé, qui va la brûler jusqu'au sang avec cette petite Zarya. Le boom du Apple, malheureusement qui va faire finir cette map et que Chrono remporte cette deuxième map. Quel magnifique match, quelle magnifique attaque, quelle magnifique défense. Alors, je veux dire, hein, comparé à avant, là je suis plutôt bien surpris. À mon avis, là aussi. On est remonté dans le spectacle, on est remonté. Et là, c'est un nanoblade, hein, la fameuse, qui a été trop vite pour mon cerveau, qui a fait un doublé. Et là, ah, moi j'ai dit triplé, mais non, c'est un quadruple vu qu'il a fait un coup de kill. Ça a été très rapide, en tout cas, ils ont très bien joué des deux côtés. GG aux deux équipes. Totalement, je suis d'accord avec toi. Nice, nickel. Eh ben, j'ai envie de dire, sur ça, on va se retrouver pour un petit plateau d'analyse juste après la pause. La petite pause. Et on se retrouve du coup dans 5 minutes. 4 minutes. Bien évidemment. C'est la même 4 minutes. Bon. Allez, à tout de suite. I never stop thinking like I've never stopped spinning. Down, watch the ceiling, feeling kind of unappealing. I'm okay, what can I say? Feels like sun has gotta be on a way. Like a day of rain. Like loneliness, like trouble, like the pain. At least that music keeping me up in my mind. It helps me to forget what I should never remember. Hardest days I was down, hardest days I was blind to the wildest of life. Man, I spent too much time feeling down. Down. Everybody is a fool, that's what I say. Everybody is a genius too, that's what I say. We all got some good and bad inside ourselves. You can tell me I'm wrong, tear the diamond upon yourself. I feel bad for the people telling me they got no skills. You can't tell how to deal with if you never climb the hills. Go to bed, don't make you get the chills. Do the math, you don't feel it with the bills on. You don't feel it with the bills, no. You should try to stay real. If you somehow wanna see what freedom looks, really don't let them tell you what I feel. Don't let them tell you what I see. I'm okay, what can I say? Feels like sun has gotta be on our way. Don't let yourself down. Follow the path to the life you really want. I'll meet you out there on the other side. I'll meet you out there on the other side. I'll meet you out there on the other side. I'll meet you out there on the other side. I don't know what I'm doing anymore. Every choice makes me feel like I'm closing a new door. But I don't gotta feel that way. That's why my mind tells me I don't gotta stop halfway. Cause emptiness scares me. I'm probably never gonna be stable in my mind. Come on, let my foolish side is getting trouble offline. So I see then I kill it. The depression is stated. Every reason I'm enjoying me. The fact that I can feel it anymore. Anymore, anymore, anymore. Anymore, anymore. My foolish mind is taking over. If I actually enjoy it, I'm okay. What
can I say? It feels like sun has gotta be on our way. And I let myself drive me slowly insane. I meet you out there on the other side. I meet you out there on the other side. I meet you out there on the other side. I meet you out there on the other side. Et re à tous, hein, merci pour cette petite pause, hein. Moi j'ai été récupérer un peu d'eau pour ma pauvre gorge, hein, bien évidemment. Et on va directement dérouler sur le plateau d'analyse avec Akira. Déjà, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquille. Hein, même si je suis desséché, ça va très bien. Alors, toi, de ton côté, sur la première partie qui était sur Oasis. Ouais. Voilà, qui était la première map qui était sur Oasis. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé des deux équipes? Rentré, on a vu qu'ils jouaient beaucoup de compos différentes. Qu'ils n'étaient pas adaptés selon ce qu'ils voyaient en face. Donc ça switchait de compo en pleine map. On a vu donc de la rush, on a vu de la poke, on a vu de la dive. On a même vu de la dive avec du Hammond, ce qui est pas très courant à cet elo. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Surtout que leur main tank, l'Ignox, se débrouille assez bien sur ce perso. Puis après, de l'autre côté, on avait les NGNL qui jouaient... J'ai vu qu'ils jouaient beaucoup de rush, surtout avec leur Mei. Et ils arrivaient souvent à faire des plays basés sur ça. Bah justement, Mei est un personnage, on va dire, très décisif. Hein. C'est un wall, un pick, un wall, un pick. Majoritairement, voilà, on va essayer de jouer comme ça à Mei. Même si je pense que personnellement, les NGNL ont du mal à jouer quand ils sont en overtime. Ou quand ils vont être en overtime. C'est vrai qu'on... Peut-être que ça sous-entend un manque de communication dans la team. Vu que c'est les moments clés où la communication... Et importance. Là où je trouve qu'au niveau des compos, l'air de rien, même s'ils se font mener 2-0, ils sont plus cohérents sur leur pic, on va dire, les NGL. Mmh. Là où Chrono, je vois, ils jouent beaucoup de rush sans Lucio, sans Mei. Même en défense, il n'y a pas de Mei, c'est vraiment bizarre. C'est ce que je l'ai dit, hein, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a des pics parfois un peu exotiques, je ne comprends pas trop pourquoi ils prennent certaines compos selon certaines maps. Mmh. Même si derrière ça, j'ai vu quand même des très belles choses. Hein. Ah toucher, oui. Blake, qui n'est pas. Aussi la dive, hein, très propre sur Mbani. C'est ça, avec Nizen, hein, avec son Genji qui n'est pas du tout méta. Hein, un Genji qui n'est absolument pas méta, mais qui arrive à faire juste des magnifiques picks sans Blade, sans Nano, et avec Nano Blade, c'est un monstre. On a pu le voir, hein, ce dernier POTG d'ailleurs était de lui. Et je pense que, par rapport aux overtime, je ne pense pas que ce soit que de la communication, je pense que c'est juste un manque de contrôle de stress. Parce que. Faut apprendre à dire putain, il faut qu'on touche au point. Faut apprendre à ne juste pas rush sur le point comme un teubé. Faut apprendre à juste se regrouper et du genre on envoie une personne. Ça s'apprend bien évidemment. NGNL est une jeune équipe, hein. On peut leur pardonner bien évidemment ça. Oui, exactement. En fait, c'est là où on voit toute l'expérience d'une team. C'est-à-dire que la team qui va réussir à synchroniser alors que c'est l'overtime et qui vont aller, je sais pas moi dans quelle situation ils se trouvent, mais par exemple, si c'est. Une situation où ils doivent contest ou stall un point en KOTH, où ils ont la capacité à venir un par un contester sans paniquer, hein, sans feed, sans se désynchroniser. Et l'autre team d'à côté qui va justement, c'est l'overtime, plus personne n'écoute le shot caller, et c'est là où justement je pense que l'escrime, l'entraînement fait parler. Quoi. Exactement. Et je pense aussi que. On va dire que des deux côtés, hein, en tout cas, on a parfois un problème de positionnement. Je prends un exemple de l'attaque de Chrono. Sur la dernière partie, on a vu la Ana se faire pique quand elle avait le nano. Elle a vu la dynamite devant sa tête, elle a fait « je vais rester devant ». Peut-être qu'elle n'a pas vu, peut-être qu'elle était trop concentrée à gauche ou à droite, mais c'est assez, on va dire, problématique ce genre de pique, parce que justement... Ils ont tué la Ana, ils ont fait un 2 kills, 3 kills, 4 kills, et ils ont dû reset complètement en fait. Et ça fait perdre du temps, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à 1 minute, même s'ils ont absolument géré cette minute.
On peut le dire, ça a été assez compliqué pour la première attaque. Bah en fait, dans cette phase d'attaque, on avait trouvé le Genji qui avait sa blade. Par contre, lui, il n'avait pas encore ton anneau. Du coup, le plan de jeu, c'était certainement qu'ils attendaient de se faire poke un petit peu, qu'ils farmaient le nano. Et ensuite, ils voulaient faire le nano blade. Le problème, c'est que voilà, au moment où il a le nano, je pense qu'il y a un malentendu dans la team. Et ils se sont fait pique la Ana et c'est parti après en vrille. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être parfois de call bien le loose fight et de back complètement jusqu'au spawn au lieu de perdre du temps à se faire snowball. Exactement. Mais bah après, comme on le rappelle aux 16 spectateurs, d'ailleurs, salut à vous. Yo. Ce sont des petites équipes. Hein. Chrono, ça fait un mois et demi qu'ils sont ensemble. NGNS, ça fait même pas un mois. Mais franchement, je trouve déjà que déjà, même pour les potes mispés qu'ils font, beaucoup de potentiel. Ils ont un bon potentiel parce que. Ça se sent qu'au niveau de la communication, parfois ça bug, mais on voit que sinon c'est linéaire, ça suit, et ça a de bons positionnements, et c'est un joli, très bon IM. Et franchement, les NGNL ont aussi une capacité à créer pas des compositions farfelues, mais à faire des actions avec ce bastion qui monte au top, justement pour les attendre. Des plays assez osés, oui, leur donnent un avantage. C'est ça, ça a pris l'Azaria. Il y a Nizen sur sa Echo à ce moment-là qui a voulu le dive et hop, une obude de Zika. Ça s'est enchaîné direct. Même si Zika est un sub, on peut voir quand même qu'il a un peu d'impact. C'est vrai. Tout à fait. Voilà. Et moi, j'aurais une dernière question à te poser, mon cher Yakira. As-tu une idée, je te demande pas un pseudo, mais juste une idée d'un MVP de la game? Dans ma tête, j'en ai un, clairement. T'en as qu'un seul? Je vais dire juste que c'est du côté chrono, mais j'en ai un qui m'intéresse beaucoup. Oui. Pas de soucis. Bon, personnellement, j'en ai trois en tête, c'est un bordel. Du coup, je pense qu'on va repartir avec Bounty pour ce fameux cast et pour cette troisième map qui sera Anamura. Anamura qui est une map d'attaque, hein, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, dis donc. Et du coup, on peut voir déjà que sur Anamura, on va dire, que le premier point, c'est le plus facile à cap, comme tous les premiers points. Et que ce qu'on a vu souvent ici, c'est que Anamura, deuxième point, soit on prend pas, soit on prend tout. Il n'y a pas eu de juste milieu jusqu'à présent. Et je pense que c'est une map qui est aimée et en même temps détestée de la communauté. Parce que quand on gère, on l'apprécie, mais quand on ne sait pas la gérer, on la déteste, on ne l'aime pas. Toutes les maps, finalement. J'ai envie de dire, Anamura, laissez-la tranquille, c'est une map très correcte. Je suis désolé, prends Paris, c'est pire. Paris, tout le monde la déteste, il n'y a personne qui l'aime, ok ? Voilà. Il y a des gens qui l'aiment bien parce qu'ils trouvent une certaine maîtrise dans... Je sais pas. Laisse-moi. Ah, mais je te laisse. Ah, une petite gorgée d'eau, et c'est reparti. En sachant que sur Anamura... C'est très souvent, c'est très commun ça, d'avoir une attaque avec un TP de Symmetra. Peut-être tenter, je sais pas, hein, ça va essayer. Mais en tout cas, en défense, qu'on est sûr, c'est qu'on ça sera de la brode sans Lucio encore. Ça me titille un petit peu. Mais on ne va rien dire. Avec ce petit Rain, Zarya, Macri, rien n'est décisif pour le moment du côté des chronos. Et Janel, pardon. Oui, ah non, moi je suis pas chrono actuellement. Ah oui, d'accord. Et bien évidemment, il y a Mind et Rinka qui sont sur Ana et Baptiste, hein, pas du sûr encore. Ana et Moura, pardon. C'est ça. Et on peut voir qu'en attaque, on a une brûle aussi avec un Lucio Ana, mais avec une Widow. Très intéressant pour essayer d'aller choper un petit pic, hein, par exemple ce Doomfist c'est au top. C'est un amoureux de Widow finalement. C'est ça. Oh, par contre, Nato qui avait un Doomfist qui a essayé de punir ce Baptiste. Oh, Zika qui dort, mais derrière le mur, heureusement. Qui va être wake up, hein. Ouais, mais il envoie vraiment le Baptiste et le Doomfist de s'exprimer, Fino, là, effectivement. C'est ça, et Nato qui va prendre le pic sur Nizuka. Et on peut voir que, oh là là, Zika qui va prendre la charge sur Inox qui va le punir. Fino qui va prendre un kill sur Ciboulette. Et ça va directement enchaîner. Oh, un petit slip qui va être puni par Nizen. Nato qui a été puni, hein. Oh, East One qui est one purple. Il faut faire très attention à ça. Il se sauve la vie, hein, avec son petit heal. Et un point très rapidement pris par les NGNL qui sont de moins tout excités. Ils sont ouf. Qu'est-ce qui se passe? On nous a appelé, Dabrou, Anamura, on arrive.
Quoi, 2-0, 2-0, comment ça? Comment ça 5 minutes 52 time bang. Ok, on arrive. C'est... Voilà, ça se sent. Du coup, ça va passer à ce top, bien évidemment, hein, vu qu'ils n'ont rien pour counter ça. Ça a pris sa switch de Baptiste par une Moira pour avoir plus de heal. Et la Widow hein, qui poke et Pinot qui est très 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 haut, il faut faire très attention, et ça va passer par ce main hein, bien évidemment, ça va toucher le point, ça va se frapper, avantage au duty côté personne, c'est quasiment égal, la Purple qui va toucher Zika qui va mourir, c'est Unizuka qui va prendre un kill sur la Ana, Natsuo qui va revenge avec un Doomfist, c'est Boa qui va prendre un Natsuo, j'ai un freeze, à l'aide. Non, et attends, Lignox qui vient de récupérer Capo, donc du coup qui était en train de s'enfuir avec sa petite Zarya, et bien sûr des petits coups de marteau, on survit jamais. Bah, c'est bon, je suis revenu, j'ai eu un freeze, j'ai pas compris. Y'a pas de soucis, mais... Donc on a Turfino qui met une petite pression sur la gauche dans la fenêtre, évidemment, pour essayer de prendre un petit pic, ça serait beau. Hein, c'est ça, hop, on a utilisé le Wallag pour voir où ils étaient, on a switch de Doomfist pour un Hanzo. Très intéressant ça à voir, ça peut faire très mal hein, si ça s'engloutit assez rapidement au top. C'est d'entrée, on a l'infravision en plus. Non, l'infravision a été enlevée, voilà, il n'y a plus d'infravision, le shutter qui a été cancel hein, des deux côtés. Une anneau du va mourir. Ça va prendre deux pics de chaque côté, il faut faire attention, trois pics, Capo qui va justement séparer ça, Fino qui va aussi aider avec ce Nizen. C'est ça, et ça va ping, et Fino qui va prendre un double kill sur cette petite ciboulette. Capo, Ibox hein, qui va composer avec son Amon, bien évidemment. Hein. C'est un bro shield un peu trop claqué, je pense. Hein. Ça va prendre. Mais malheureusement... La tête sur Onizuka de la part de Fino, et Iswim qui récupère Mind. Et la deuxième tête de Fino sur Nizen. Et là, on est totalement en train de repousser les chronos du mieux possible, hein, finalement. On a un amant qui est free et quand on n'arrive pas à le punir, c'est dommage ça. Attention, il y a Mind qui va prendre quand même un pic sur Estwin. Très bien joué de sa part, même s'il va mourir juste après. Mind qui va mourir, hein. Nizen aussi. Ça temporise, ça prend déjà un tiers côté NGNL. Il faut faire très attention. Fino qui va prendre encore un pic avec cette petite Widow, hein, Srinka. Hein, Lazare qui va tomber, mais malheureusement le Hanzo qui va aussi mourir. La trésor c'est à tempo, bientôt les deux tiers, faut faire très attention à ça. Inox qui tempo avec Nizen, hein, très bien joué de leur part. Nizen qui va être à lutte de Amon sur le point, ça va être détruit. Zika en nano boost hein, qui va essayer de mettre des grosses patates sur cette brigitte, malheureusement. Ça s'est séparé mais ça revient sur le point. Donc c'est récupéré par Ciboulette évidemment dans le coin. Zika qui va prendre un double kill là dessus, les deux heal. Faut faire très attention, Nox hein, qui ne meurt toujours pas hein. C'est un shutter complètement cancel là dessus. Ciboulette a vraiment récupéré tous les snipers. Et maintenant il s'occupe de la backlane tout seul. C'est ça, Nizé hein, qui va prendre cette petite bombe sur Capo. Estwin qui fait un double kill, bien joué ça côté du Sio. Linox qui va prendre un pic sur Zika, il ne reste plus que maintenant que Eswin. Et malheureusement, c'est vraiment dommage. Franchement, pour le petit tic là, il manquait juste un tout petit peu. 0,02. Enfin, c'est 2. Horrible. C'est ça, 0,2% il manquait pour avoir ce deuxième pic. En plus, c'était tellement bien joué. Enfin, je veux dire, il s'était tellement bien. Et en fait, les chronos se sont dit attendez, il y a un problème là. Il y a deux snipers, depuis tout à l'heure, ils sont là depuis tout le temps. Ils ont envoyé Ciboulette. Il a tué les deux snipers et à partir de là on a deux parties importantes finalement de c'est ça. Qui sont tombées. Mais malheureusement on n'a pas switch ses pics et il y a eu un speed boost sur de Onizuka pour aller prendre ce pic. Ça va aller directement sur le point pour essayer de le prendre hein, bien évidemment. Hein, Ciboulette qui essaye de temporiser bien évidemment, il a bientôt une bombe hein, mais il va perdre son mecha malheureusement. Oula, Lotus Punk qui va peut-être mourir mais non. Ça s'enfuit, le dragon qui va être envoyé sur le point et qui va réussir à prendre un pic sur Onizuka. Mind qui est temporisé et qui dash, puis le dash sur la petite Moira. Mais malheureusement, Ninox hein, qui fait un monstre taf hein, de temps contestation. Vu que ça fait quand même une demi-heure qu'il conteste et qu'on ne le tue pas. Il n'y a pas de mid-dive, mais malheureusement, ça ne va pas suffire à vouloir le tuer. Et ça y est, enfin il meurt avec ce petit filo qui a switch sur un petit soldier. Et attention, oh, le shutter sur Ciboulette hein, pour bien la péter. Il n'y a plus qu'à Doomfist sur le point.
Attention, voilà, hop, ça va réussir à prendre le tiers. Ça y est, ça a pris le deuxième tiers. C'est au bout du troisième tiers, il faut juste exploser tout ça. Magnifique slip hein, sur Inox, mais malheureusement, ça va rien faire. Rinka hein, qui va réussir à nano-booster ce petit Amon avant qu'il meure. Et du coup, la bombe qui a été envoyée, la bombe, attention, la bombe de Diva qui va faire 0 kill. Hein. Et ça va quand même contester un maximum. Ça va de gauche à droite. Ça sait pas où aller. Ça sait pas où donner la tête. Lizen qui va tomber. Onizuka qui va prendre un pic sur Fino. Vu qu'ils n'ont plus d'eau. Oh là là, magnifique dragon. Et ça va contester. Et ça va prendre le troisième point avec 37 secondes de Taibeng. Ah, ben, franchement, là, je veux pas dire, mais il y a une. C'est le jour et la nuit avec le début de la partie. Le début du match. Hein, pas de la map. On a vraiment du beau play maintenant. Par contre, il y a un truc qui me titille un peu, c'est la manière dont est joué le Lucio de NGNL, Eastwim, qui nous avait fait des beaux plays sur les parties d'avant, mais je sais pas si tu es du même avis que moi, je le trouve un peu perdu sur le point. Il pourrait faire des petits tricks, wall ride, un peu bait ses adversaires. Il est au milieu du point et. Bon, on va dire que là, il se dit tout simplement qu'il va pas trop grid. Parce que justement, on a besoin. Il veut tout simplement sécuriser ce point. Justement, en étant immobile au milieu du point, il est un peu. Il est un peu grid parce qu'il n'a pas ses habilités de fuite et d'esquive. Mais même si c'est vrai, ça, je pense surtout, on va dire que vu qu'il savait que sa team était là, il pouvait compter sur eux pour un défendre et du coup lui il pouvait tout simplement se concentrer sur le point un il et 2-2 à essayer justement de boop justement les gens en dehors de ce point. Et du coup on peut voir qu'en défense ça va jouer une bonne rush avec une mais avec une petite hache hein, la hache de Fino qu'on a vu tout à l'heure elle est extrêmement forte et on peut voir qu'on attaque Moira Brigitte, Reaper, Symmetra, Renzaria. Là je pense que ça va tout simplement mettre un TP sur le point. Il y a la technique de la fenêtre, à mon avis aussi. À mon avis, on va faire la fenêtre. On lance nos paris. Moi, je pense que ça va être juste un bon TP point, bien évidemment. Et hop, hop, et ça va être un TP point. Merci pour mes 5 balles. Ah, et malheureusement, ça a été puni avec une belle charge. Ça a vu. Ça a su se positionner. Et oula, par contre, Ninox et Ciboulette qui font le taf, qui font un tour ou deux, un triple kill. Faut faire attention, hein, le Ren hein, qui va tomber avec Fino derrière, bien évidemment. Il faut faire attention à ça, ils sont assez peu de heal. Nato qui va tomber. Et si vous voulez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Final, c'est venu, ça a vu et ça a vaincu, quoi. C'est ça, même s'il y a eu une très bonne défense, enfin, un très bon mouvement des NGNL par rapport à ce TP, ils sont attendus, il y a eu charge. Et je pense juste que ça n'a pas focusé même personne. Et ça n'a pas fait attention au niveau du heal. Il faut faire attention à ça. Et du coup, on peut voir que ça a pris une écho côté Nizen. Hein, mais ça ne prend toujours pas de Lucio. Excuse-moi de redire à chaque fois, mais ça me titille un peu. Moi, mène Lucio. Du coup, oula, la magnifique papa sur Intox hein, qui va pas pouvoir être contestée. Bonne tête et bonne tête de Fino en raid qui abat 6 boulettes hein, avec 2 têtes et un body. C'est ça, Nizen. Le chasser. Ah, qui va être chassé. Et Man qui va quand même prendre le kill sur la Ana. Mais malheureusement, désolé, un teamfight largement gagné par les NGNL. Mais Fino insane là. Ah, Fino, on l'a déjà vu, il a une magnifique hache. Hein, et on ne peut pas contredire ça. C'est impressionnant comment sa hache est puissante. Même Bob ne fait pas assez d'headshots, pour dire. Du coup, on peut voir que là, côté Zuti, un petit avantage côté NGNL, vu que ça a moins switch. On a un shutter, un bob et deux hits support, comparé à Chrono, qui ont justement un shutter. Oh, la purple sur 4 personnes! Magnifique purple qui va prendre un pitch. De mourir après avoir éliminé Fino, finalement. C'est ça. Il faut faire très attention à ça. Qui hein. Emmerder la Ana qui a été obligée de drop sur le point. On claque la couille à l'essence, le nano, on claque beaucoup de ressources quand même. Non, pas du tout. Oh la grave qui a été claquée, qui va peut-être faire un truc. Non, Minfino qui va prendre le key sur Inox, qui va leur dire taisez-vous, c'est mon point, vous n'y rentrez pas. Et Fido qui fait un double kill, triple kill. La purple, attention, quadruple kill.
Et heureusement, Zika qui a bougé son shield et qui s'est pris une petite boulette. Une boulette, une crotte donnée de ciboulette. Hein, la petite boulette de ciboulette. Mais... pour le tuer. Quand il était pas prêt. Mais malheureusement, c'est quand même un fight en avantage des des NGNL. Bravo à eux. Pitié, mais clippé d'orage et fait des voice lines en fait. C'est mon point. Ah, c'est comme ça que je suis. Ils ont pris un junk côté. Natsu a pris un junk qui arrive d'ailleurs bientôt son ulti. Il faut faire très attention à ça. Oh, un Genji et un Reaper. Aïe aïe aïe, ça pourra aller contester ce petit Fino. Mais justement, Onizuka qui va prendre ce ki sur Natsu qui va prendre ce ki sur Onizuka. Inox qui va prendre cette charge sur Fino pour aller le punir. Natsu qui fait un double kill. Zinka qui va mourir de mind. Et Twin qui va revenge avec la Anna. Inox qui va tuer aussi cette Anna. Ça va être très impressionnant, Ninox qui va faire un double kill, hein, c'est Natsu, Natsu, mais ah, il... Attends, mais quoi? Mais Natsu, il Fino! Attends, qui connecte! Attends, mais c'est un sniper Junkrat, quoi, en fait. Si je comprends bien. C'est ça, c'est... Et en plus, on l'avait déjà vu, je pense. C'était sur quel point avez-vous? Sur Oasis, on avait vu son Junk. Sur Oasis, on avait vu son Junk qui était magnifique. Et on peut voir un net avantage des outils côté NGNL. Enfin, Oasis, j'avais du mal. Ouais, t'as raison, sûr. Tout à fait. Je bois un peu. Du pas coup. Le droit. Et du coup, c'est qui va tout de suite aller chercher la hache. Ah non, il abandonne. Ouais, c'était rapide. Le Reaper. Oh là là, attention, lui de junk qui va être envoyé sur le point, qui va essayer. Oh, qui va prendre le Kiki. Bob qui va être juste là pour aller temporiser, faire des énormes dégâts avec cette partie K-Win. Inox, le Bob de Fino qui dit: mais où tu vas? Hein, où tu te pars avec cette charge? Hein, je te finis quand tu pars, petit Sadopio. J'ai compris l'Inox, le Bob de Fino. Genre, le Bob de Fino, il s'appelle l'Inox. Et bah, excusez-moi, je suis. Du coup, on peut voir nettement un net. Toujours un avantage, mais attention! Il faut faire très attention à la Nanoblade qui est très, très, très bientôt côté Chrono. Qui est déjà là, hein, en vérité. Quasiment à 5% près, hein, ça attend, ça essaie de poke, 84%. Ah, ça y est, voilà. On a la Blade, on a un Nano, ça va partir sur un Nano Blade. On a par contre nu défensif côté NGNL, il faut bien l'utiliser, il faut bien. Voilà, hop, vite. Et malheureusement, oh, mais même pas besoin, ça a été sur le grave. Et malheureusement, si, il est pas mort vu qu'il a reflect Natsu qui est mort d'ailleurs. Et Swan qui a boop Mainan, qui a aussi. Et oh, ce shutter Toupi Beyblade qui a fait le taf. Inox qui est monstrueux sur ce Reinhardt qui va faire un triple kill à lui tout seul. Et ça va prendre 1 minute 26 contre 1 minute pour les chronos. Phage. Non mais. T'aurais pu au moins dire 1 minute 26 sur le chronomètre. Je sais pas. Non. Bah ouais, mais je sais pas, je trouve ça trop standard, tu sais. Moi, je suis uni. Du coup, déjà une magnifique attaque côté chrono, parce qu'ils ont su le prendre avant l'overtime. Et je pense juste qu'il y a eu des meilleurs focus des deux côtés. Et je sais pas ce qui s'est passé sur ce junk, mais je pense simplement que la Zarya n'était pas assez chargée pour un nano boost pour un Genji nano boosté. Et du coup, ça malheureusement, ça n'a pas fait le taf. Ah, pause. Une petite pause, hein. Ah, je sais pas de qui, mais une petite pause côté apparemment pipi côté chrono. Attends, pause, je dois aller aux toilettes. Ah non, alors si c'est ça par contre, on avait 4 minutes les enfants, hein. C'est ça, ils ont pas intérêt à le dire. C'est ça. Hein. Je vais leur dire, hein, j'espère pas de pipi room. Hein. Je veux bien savoir le problème, je suis en iChat pour la prod. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous exprimer, hein, à vous hyper là, vous êtes beaucoup, mais vous parlez moins que quand vous êtes pas beaucoup. Soyez du coup... cancer. Le spam, les gens, le spam, on veut voir du chrono, du NGNL dans le chat, on veut voir ça partout. Même je veux me réveiller la nuit, voir chrono et NGNL écrit sur mes murs. C'est un pipi room. Non. C'est honteux.
Les chronos. Les chronos qui... Je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Mais moi j'ai d'autres mots sur d'autres choses. J'ai des mots par rapport à cette partie qui est quand même un avantage par rapport à cette game qui est quand même magnifique. Et on peut voir déjà, on peut dire que c'est certes, comme on a dit en pattern analyse, que les compos de NGNL sont, on va dire, plus classiques avec un usu, etc. Et qui nous sort des compos assez exotiques, hein, côté chrono, mais ça marche. Pourquoi ? Bah justement parce que ça s'attend pas à ça en fait. Ça s'attend à des compos classiques et là ça te dit wait, ils ont plus de hits que d'habitude. Et du coup ouais, je pense que ça va se faire taper sur les doigts, hein, un peu plus tard bien évidemment. Du coup déjà pour le MVP, on peut déjà se poser des questions. On peut dire que côté NGNN, hein, on peut voir un Nizen ou un Linto. Ah, oula. un Inox très 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 bon. Même si Rinka et Rinka, Onizuka, Ciboulette et Mine sont très bons, je pense que les deux personnes qui sortent de eux, c'est Inox et Nizen. Et de l'autre côté, je pense juste que Fino, Natsuo et Estwine sont extrêmement bons. Hein. C'est Estwine qui arrive à te faire des double kills, c'est magnifique. Et du coup, là, c'est reparti. Du coup, on peut voir déjà qu'en défense, ça va partir sur une rush. Moira, Anna, Rein, Zarya, Makri et la petite Echo qui va venir ici déranger justement cette... cette petite Pharah, hein, côté NGNN, une petite Pharah, merci Lucio, Fino sur son Soldier et Darren Zarya, bien évidemment. Ça commence déjà à POC, hein. Ça se regarde, ça agresse, hein, ça avance, speed boost pour essayer d'agresser. Ouf, Zinka qui a pris extrêmement cher, Fino qui est peur, ouais, faut faire attention à ça, bien évidemment. Hein. Ouh, Nizen qui va prendre le pic sur Natsuo, très bien joué avec un clic droit E. Le reste par contre, hein, de Tux, hein, qui va essayer de gagner le plus de temps possible. Ils ont que une ça minute. Sur la déjà plus que 25 secondes, il faut aller toucher au point, il faut aller contester, il faut essayer au moins. Nizen qui hard focus cette petite Pharah qui va tomber malheureusement parce que la Mercy ne peut pas laisser sa team seule. Et oh, Fino qui va prendre le kill sur Main, S1 sur Inox, ça va aller toucher au point, mais non, Nizen qui va tuer ce Rein avant qu'il touche ce point. Personne n'a touché, faut faire attention à ça, si Boulak va prendre le prix sur une. Et Fino, Fino qui est unbelievable. AKM, sors de ce corps s'il te plaît. Non, ça c'est le Soldier, ça c'est la puissance du Soldier. Et je dis pas ça parce que je suis au TP Soldier. Chut, tais-toi. Tu n'es pas objectif. Et du coup ouais, même si et là ça a été impressionnant. J'ai une nouvelle du chat. Arias qui nous dit cancer. Team Trinity les best. Team Trinity, Team Trinity. Bande de chenapans. Du coup, on peut voir déjà que ça va commencer au top parce qu'on a un soldier avec un ulti. On va aller. Oh, Fino qui va. Mais Fino, mais arrêtez-le. Qui a été lancé ainsi que tous les ultimates de NGNL, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, on doit tout claquer. Là, c'est. On s'en fout. Ah, on s'en fout, mais malheureusement. Ah, malheureusement, le shutter qui a été quand même cancel. Il y a que d'aller poster qui tue Zika. On vient frapper dans la graviton. Hein. Fino qui a récupéré Rika, Capo qui voit. Arrêtez de suivre le guide. C'est ça. Mais par contre, il faut faire attention parce que Nizen a pris cette petite tresseur et il va tuer Fino. Et ça va même pas prendre un tiers sur ce deuxième point. Quel malheur. Mais ça a été très bien défendu. C'est encore jouable. Bah, c'est encore joué côté chrono, ça a été très bien défendu. Mais malheureusement, le souci là-dessus, je pense, c'est qu'ils ont tout claqué d'un coup. Et même si ça les a fait back, ça n'a pas pris de kill malheureusement. C'est encore jouable pour les NGNL. Hein, même. Ah mais c'est encore jouable, c'est sûr ça. Pour les deux équipes. C'est ça, pour les deux équipes, c'est encore jouable. Hein. Et du coup, maintenant, on va aller voir cette petite défense des NGNL. Là, et c'est là le problème que je trouve. Même les tous ces pics comme ça, hein, c'est le problème, je trouve. C'est là, il peut se faire full hold. Et là, ça va être un souci. Il faut faire très attention. Et on peut voir que déjà, en défense, ça part déjà sur une Orisa Torbjörn. Déjà, ça veut d'être double shield, je pense. Je pense que ça va.
Rien n'est sûr parce qu'ils n'ont pas encore tout pris, mais déjà, voilà, déjà vu leur pick, ça va prendre un double Shin, bien évidemment. Avec un Lucio, je pense que ce Lucio est bien. Même si je pense que Zenyatta serait aussi bien. Et non, même ça prend Brigitte. Je dois fermer ma gueule plus souvent, moi. Du coup, on voit que ça va prendre à Brigitte Anna, Torbjörn, Echo et Orisa Sigma, un double Shin assez classique. Hein, ça va jouer à un niveau de ce top. Et on voit que en attaque, ça va retenter la Symmetra, ça va, et ça prend un Lucio. On peut les applaudir, ils ont pris un Lucio pour la première fois de ces trois maps. Et avec un petit Ana, Macri, Ren, Zarya. Du coup là on peut voir que ça va aller sur ce top, et le problème c'est que là justement, TP sont au point, ils doivent bouger, ils doivent bouger, il faut faire attention. On n'avait pas prévu ça. En plus, c'est trois poils qui sont déjà placés et qui sont prêts à accueillir ce petit Sigma qui va se faire brûler directement. Et derrière, toute la team d'NGNL apprécie. Fimo qui quand même réussit à prendre un pic, Nato aussi, ça rien n'est fini bien évidemment, mais la brigade qui va prendre aussi un pic, voilà, mais malheureusement on va dire. Là c'est fini par contre. Le problème. Oh, Nato qui va prendre. Nato qui non. conteste non, je Nato rêve. Qui va. Nato contre 2 points. Mais attention, Capo est là pour essayer de finir Capo. Attention, mais c'est pas fini. Il reste plus que déjà que 30 secondes. Ça vient contester, ça vient essayer d'aller en overtime. Ça va prendre la... petit bac de Rika. Directement. Ah, le magnifique ping de Inox hein, qui va terminer. Et ah, la Fino qui va essayer de temporiser un maximum. Et la Brigitte... Perdu, ah là. Non, il faut arrêter. Faut pas venir. Il faut... Oh, ça conteste quand même un tout petit peu. Faut venir, c'est le moment. Et du coup, voilà, c'est bon. On a à peu près le même tie bank que tout à l'heure. Ça n'a plus. Ça a été très bien défendu, en tout cas. Et attention, ça va aller engage. Ça va aller directement jouer son point. Ça prend Darren Zarya. Cette fois en scène défense, ça va prendre ça. Oh, la purple sur 4 personnes. Inox qui va tomber. Mon dieu. Cette purple. Magnifique. Cette double shield. Nedai qui a été cancel aussi. C'est ça, Fino, avec son magma qui va prendre un double kill avec son magma ou son vomi, comme vous appelez ça quand vous voulez, hein. Son coup... entier. Oh là 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 là, mais magnifique défense du deuxième point pour un match nul. Wow. On va voir Anamura, ma quatrième map là. C'est ça. Pour moi, je trouve que personnellement, Anamura, c'est un map du match nul. Et du coup, on va vous laisser avec cette petite POTG de Inox. Espérons que NGNL gagne le match, ce sera plus facile. Arias. Okay. On ne veut pas que ça soit plus facile. Nous, on veut du vrai match. On veut des matchs nuls. On veut que ça. On demande que ça. D'accord. Ok. On va pouvoir passer directement hein, donc à notre map suivante qui est la dernière map. Je te laisse la dire. Moi, je la connais. J'ai envie de voir si tu connais sans regarder le map pool. Je t'écoute. Bien évidemment que ma prochaine map c'est Junkertown. Excusez-moi, j'ai un peu un nez bouché. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas un nez bouché avant. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Bon, pas grave. J'ai pas de mouchoir. Rip. Du coup, ça part directement sur Junkertown. Et ah, malheureusement, on a un petit souci côté chrono. Il faut aller. Nisa est obligé de Wiz. Ah merde! Que c'est dommage! Malheureusement, est-ce qu'on aurait un sub dans le quoi? Non! Du coup, est-ce qu'on considère que les NGNL ont gagné vu qu'il leur manque un joueur, mon cher Bounty? Ils sont en train de débattre, peut-être qu'ils ont. Ça se trouve, ils ont quelqu'un. Ouais, ben, on va pas leur laisser grand temps. Je leur propose. Une repose, même si on vient de sortir d'une pause. Je pense qu'on peut leur proposer une pause justement pour aller les aider. Parce que malheureusement, on va dire là, c'est. Malheureusement, hein, on connaît tous les faits d'avoir des parents à la maison, de dire il est 22h45, tu dois aller au lit. Comment ça, il n'y a pas école? J'en ai rien à faire. Hop, hop, hop. Et malheureusement, le souci est là. À moins qu'on ait Akira qui se propose. Apparemment.
C'est ça, hein, notre cher analyste hein, qui se propose. On rappelle, Akira, normalement, coach aussi des chronos, donc c'est totalement... C'est ça, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez écouté, hein, si vous avez suivi. Et du coup, nous attendons la décision des chronos. Hein, je pense qu'ils vont quand même prendre Akira. Hein. Et du coup, Akira, tu pourras retourner. Bah. Par contre, s'il te plaît, soit fair play, ne divulgue rien de ce qu'on a dit. C'est tout ce que je te demande. Hein. Bon, par contre, la pause, est-ce que vous voulez ou pas? Ce que je viens de leur demander, on verra. Parce qu'on n'a pas tout leur temps non plus, on a commencé en retard aussi. C'est ça. Mais après, est-ce que notre public nous aime pas nous entendre parler? Non. Eh ben non, bah c'est non, hein, c'est... Ah! Nous avons... Non mais j'ai dit nous non avons... pour ça, j'ai dit non pour ce qui vient d'arriver. Non. Pas de soucis. Du coup, ils ont trouvvé un sub. Heureusement. Laisse-moi digérer ce sub. Bah, tu vois le sub, on peut dire. C'est bon, ok. Donc, je vais le présenter quand même, puisque sinon c'est pas légitime s'il gagne grâce à ça. Le coach des... Enfin, le gérant de structure, quoi. Le deuxième gérant de structure, niveau master, voilà, comme ça. Je pense que c'était pas nécessaire de le dire, mais bon. C'était totalement nécessaire. Qu'on l'a déjà vu. Je te rappelle qu'on les a vus sur d'autres matchs. Du coup, c'était pas très nécessaire, mais bon. Après avoir affronté les chronos, il joue avec eux. C'est ironique quand même comme ça. Du coup, nous pouvons. Je pense que nous pouvons lancer si les équipes sont ready. Du coup, les équipes sont ready. Oh non, c'était bâtard. Welcome. Ah, j'aurais dit dans l'urgence et du coup, bah. Du coup, ça saute. Ah, mais. Ok, allez, on reprend. Et du coup, avec. On dira pas son pseudo, tu diras Ruru, on comprend. L2. L2, je l'appelle L2. Ok. Voilà, tout simplement. Du coup, ça va partir sur Junker Town, une map de payload, bien évidemment, avec ce Junkrat. Hein. Je pense que Nato pourrait prendre justement ce Junkrat pour justement ramener l'histoire hein, de ce personnage dans son pays, hein, qui est l'Australie, hein, qui n'a. Elle a arrêté de brûler l'Australie d'ailleurs. Quel pays de quel perso Junkrat. Je sais pas si elle a fini de brûler. Junkrat, mais il y a aussi Rodog. Mais est-ce que tout le monde. Est-ce que quelqu'un. On a à foutre de Rodog. Non. Du coup, c'est parti pour la reine Sigma. Il se fait tellement traîner par Junkrat, finalement. On peut avoir une petite pensée pour lui. Une petite minute de silence. Une petite pensée. Bref, du coup, t'en étais sur les compositions. Donc, Reinhardt Sigma. Makri, Pharah. Donc, bon, L2 toujours sur Safara. Hein. Enfin, souvent sur Safara. On a Mind et Mercy, oui, bien sûr. Anna et Mercy. Et du coup, de NGNL, on part sur une Zarya, Reinhardt, double sniper. Et Lucio. Merci. Ouais. Ah, du coup, là, ce qu'on peut déjà voir, hein, c'est que ça prend la double sniper. Et la Widow va avoir peut-être un peu de mal hein, avec ses double snipers. Il faut faire très attention à ça. Là, là. La Widow qui se fait focus justement, et Sigma qui va prendre kill hein, sur Zika qui va être juste devant eux. Et Zika qui va punir ce Inox d'avoir green. Hein. Et cette Pharah derrière qui va focus justement cette petite Widow. Mais malheureusement, ça ne va pas faire le taf. Mais cette Pharah qui est toute seule en haut. Et ce Lucio qui est tout seul sur le point. Il faut aller pousser ce point. Hein, c'est. Ah, Lucio, le Lucio qui vient chercher L2 et qui l'élimine violemment. C'est assez humiliant hein, quand même, hein, Lucio qui va chercher le bas. Bah non, c'est pas humiliant, c'est logique. Qui se fait charger, il swing, qui se fait charger par l'Ignox. C'était après. C'est ça. Ça te charge et slip, purple juste après, stun juste après par un caillou. Et malheureusement, ça va prendre un pic côté Zika. On se demande pourquoi il la charge et Fino qui va prendre la tête sur L2. L2 qui va être quand même raise, hein, il faut faire attention à ça. Il y a la ligne, il faut faire attention. Ouf, ça esquive des balles de Pharah, des roquettes de Pharah. Ça va complètement reset côté NGNL. Hein. Ça peut encore tout donner. Et Nato qui va tuer Rinka. L2 qui va punir cette petite Widow. Mais qui va être 13. Hein. L2 qui va prendre le pic sur ce petit Lucio.
Nato qui va punir ce Inuzuka, Fino qui va tuer cette Widow et qui va faire quand même un revenge kill avec un boop. Ce n'est pas fini, un avantage de 4 contre 3. La purple, attention, shutter. Le shutter qui a dépassé, le nano sur Inox. Attention, il faut faire très attention à ça. Malheureusement, Zika qui va tomber. Inox double kill. Man qui va punir cette petite Ana. Et ça doit. Ça doit raise, hein. Ça doit justement. ça doit justement back et reset. Ça doit reset côté NGNL. Hein. Très bien joué côté Inox. Qui va. Qui est monstrueux. Ah, et oh, Natsuo qui punit ses deux et sa petite Widow. Pif paf pouf, hein. C'est ça, et attention, Inox a été purple sur ce coup, hein. Très bien joué de sa part, et du coup ça va avancer complètement gratuitement. Onizuka qui va flash kick droit, hein, ce petit Anzo, Fino qui va prendre le pic sur cette petite Ana. Enfin, attention, hein, à ce payload ne... Ils n'arrêtent pas de ne pas pousser ce payload. Attention, ciboulette dans les airs, qui va ulti, qui va faire des énormes dégâts sur Zika. Et il ne va pas mourir, hein, sauver le Brushid, hein, pour essayer de sauver sa team. Le shutter, shutter sur 4 personnes. Malheureusement, on n'a plus de Brushid, hein, du coup ça va prendre épique. Hein. Malheureusement, le shutter qui va être cancel par le shield de Sigma. Et ça va être un teamfight magnifiquement clutch par Inox qui fait un magnifique shutter. Mais c'est exactement ça pour ça aussi, enfin pas pour ça, ça c'est... Il y a toujours le beau teamplay, mais c'est pour ça qu'on adore Junkerton, parce que c'est là où on voit revenir les snipers et tout. C'est la map à ça, c'est là où tu dis oh, oui, des Widow. C'est ça. Même si on voit que L2 a un peu du mal, hein, on dirait qu'il est rouillé sur sa petite Widow. Mais oh là là, mais l'épique greedy, hein, qui va aller chercher Fino, etc. Mais la grave dragon qui va faire un double kill là-dessus. Peut-être un triple kill avec l'Inox. Avec la rapide de flash, ça va tuer la Ana. Oh là là. Et L2 qui ne s'est plus donné d'aide, qui se fait punir par Fino. Aïe aïe aïe, Fino qui monte sa domination avec ce pic, hein, bien évidemment sur Junkertown. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que nos chers NGNL ont un léger avantage par rapport au positionnement, mais au niveau des outils, là, c'est... Oh là, Natsuo qui prend un pic, Fino qui prend et double kill de Natsuo. Ouais, ça passe, hein, sur ciboulette aussi, hein. Ouais, ça passe, mais ça met une double purple, du coup ça va back, ça va reset tout de suite. L2 qui est repéré, il est... Oh, il sipe, oh, il sipe. Ça va être touché, mais ça tue pas. Le kill, en fait. Mais ça tue quand même, hein. Son Anzo de tuer la Widow. Et ouais, non, c'est Azaria qui a lancé une petite boulette, hein. Non, non, mais c'est pas Azaria qui a sleep la Widow. Ah non, non, mais c'est la Azaria qui a réveillé la Widow. Du coup, attention, hein. Attention, attention, la Fino qui se fait rush par une Moira DPS. Il faut faire attention à ça, c'est très greedy comme move, ça. Shutter sur 3 personnes. Fais attention, mais personne ne tombe. Bon, shield pour bientôt briser. Nato qui va prendre un pic, double kill. Zika qui va prendre un petit sur Inox. Luta de Sigma qui va essayer de faire des gros dégâts, mais Nano qui a été lancé sur Zika. Allez faire justement un double kill. Nato qui va finir aussi cette petite Ana. Et ça va être le deuxième point récupéré par les NGNL. Alors, question importante pour Arias sur le stream, hein, vite fait, parce qu'on peut pas se le permettre là tout de suite. Est-ce que tu peux aller vérifier quand même qu'il n'y a pas de Overwatch League en même temps? Parce qu'on se posait la question, il n'y a rien sur le planning. Voilà, c'était la petite parenthèse, merci. Bah, je pense pas en vrai, hein, c'est... Ouais, retournons. Et un shutter qui est prêt du côté de Zika aussi. Je pense que ce dragon va pouvoir faire très mal. Je sais que Junkerton, c'est vraiment une map où niveau dragon, on est à... On a vraiment des grosses possibilités. Ah ouais, Fino qui va prendre la tête sur L2 en mode tout au T, reste à terre, sa noob. Et Onizuka qui va quand même revenge. Et l'hélice qui va pousser justement Natsuo qui était sleep sur cette hauteur et qui va être puni par ciboulette. Avantage. Et Zika qui va prendre un shutter, un pic. Man qui va. Malheureusement, on va dire qu'ils sont que 3. Il faut back, il faut reset les plus vite possible sans essayer de. Ah, ça grid, hein, ça feed, et même... Oh, et L2 qui se fait punir par un petit Lucio. Honteux. C'est honteux. C'est ça, c'est honteux. C'est honteux. Voilà, parce que je n'ai bouché fait... ça. Ciboulette qui s'est bien sauvé ses derniers HP, là. Ouais, mais... Taxe anglais.
Pas de soucis, l'Inox qui va prendre un double kill avec ce pin. Et justement, c'est un gros coup de caillou si vous êtes qui va mettre une petite boulette de caillou. Et on a Natsuo qui s'enfuit. Ça, Natsuo qui va quand même prendre un pic pour essayer de charger son ulti qu'il a actuellement. Et je pense que ça a juste un temps. Qui est grave pas loin de la mort hein, finalement. Hein. C'est ça, le truc qui meurt. Hein. On a bientôt l'infravision du côté de Fino aussi qui peut permettre un petit avantage de Wulak. Ça va me mettre instantanément, je pense. Ça va attendre que tout le monde soit là. Voilà. Hop, même voilà, le dragon là, mais pour le dragon, c'est insane. Là, j'aurais balancé un peu derrière. Genre derrière eux, parce qu'ils ont le réflexe de reculer finalement. Oh, okay, mais, je pense, mais je pense juste que ça serait du throw de faire ça, vu qu'on a bientôt le grave au côté capot. Effectivement, tu as raison, j'y avais pas pensé. Le shatter qui a été Candocel et deux qui va prendre un kill sur Natsuo. Justement, du coup, il n'y a pas de grave dragon qui est disponible. Il y a juste une grave, mais malheureusement, ça va attendre. Ça va essayer de bouffer, ça va essayer de gratter quelques points. Lucio qui essaye de C9, mais malheureusement, il va justement back le plus rapidement possible. Onizuka bah, qui punit justement Fino. C'est dragon, et je pense que Fino ne jamais. Hein. Ah, jamais ce dragon. D'ailleurs, on parle, mais il n'y a pas de temps. 20 secondes. Du coup là il faut vite, grave, dragon et avancer. Zika qui va justement prendre un slip et une purple, il faut faire attention à ça. Et deux, attention au L2 qui va pouvoir mettre un clip. La grave qui va être fine, absolument. Le dragon qui va quand même prendre un kill sur Rinkan, donc il va prendre un double kill, triple kill 2. Hop, fine. Malheureusement Fino qui va tomber sous les coups de L2. Zika qui va charge cette petite ciboulette. Il va lui mettre un gros pile dans la bouche et ce petit Ridic qui va prendre le pic dans Inonka. Ça avance et L2, ça ne voit pas L2 qui conteste le slip et qui va mourir. Linox qui a été nano, il faut faire attention, un shutter des deux côtés. Attention, le shutter qui a été cancel par la bulle. Hop, Linox qui est low, qui est one, il tombe. Attention au shield, ça passe derrière le shield et ça va sans doute shutter. Ça attend le bon moment, la mec qui est là pour essayer de contest, mais Natsuo triple kill d'ailleurs, qui va faire un excellent taf. Zigo qui va shutter, va pas toucher. Et le garçon de mec qui va pas contest. Et malheureusement, ça va être un overtime, mais 3 points côté NGNL. Ouais, juste pas de timing quoi, au final. C'est ça, pas de timing, mais. Sans la timing, quoi. C'est ça, mais au moins ça touche le point. C'est-à-dire que si les chronos vont jusqu'au bout, au niveau du chronomètre, ils auront une minute. C'est viré. Au moins, au minimum. Quoi ? Tu es viré. Je suis viré ? Eh ben. Pas d'avoir c'est bien fini, dommage. On est rassuré. Voilà, juste la parenthèse. Merci. Ok. Bon, en tout cas, moi franchement, là, plus le match avance, plus je m'amuse. Au début, hein, je vais te le dire, hein, je désespérais sur Oasis, je me disais. Ça va être curieux comme cas, ça va être compliqué. Deuxième map, ils ont du mal à s'en sortir. Après, sur la fin de Numbani, ça s'est amélioré. La map d'après, Anamura, là c'était carrément du spectacle. Mais là, Junkertown, on a de tout. On a tous les beaux plays. Plus le sniper qui nous fait tout le spectacle. C'est assez impressionnant. Exactement. Et on peut voir que déjà en défense, ça va partir de la Ren Sigma, Widow, Hanzo. Un peu pareil qu'en attaque hein, d'ailleurs. Sauf pas Zarya. Et en défense, enfin en attaque, pardon. Du coup, en défense, on a une classique. Et en attaque, on a. On a tout simplement Pharah, Bastion, Merci, Anna et une double shield Sigma et L2 qui va prendre un magnifique pic. Oh là 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 là, triple kill de L2. Fino qui va quand même essayer de punir ce petit Inox qui green un petit peu, mais qui même s'il va être 13. Il faut back, hein, même si S1 conteste au maximum. Il faut faire attention à ça. Et du coup là ça a pris directement une sombre pour aller hack ce bastion hein. Excuse-moi, ça attend sur place. Pas de soucis, c'est Bouette qui est en train de dormir, qui se fait pousser même par le payload, c'est honteux. Hop, le hack sur bastion qui passe instantanément, mais malheureusement Natsuo qui se fait instantanément snip. Onizuka qui va être puni par cette petite purple et Lotus qui va. Ça a pris une dive d'ailleurs, ça a pris une dive en attaque. Très intéressant.
Fino qui va prendre le pick sur L2, Siboudette qui va prendre capot. Fino double kill avec cette petite merci. Ça ne la laisse pas respirer. Et du coup, faut faire attention à ce pélo d'un Inox qui essaie de temporiser. Siboudette aussi. Le hack sur Siboudette qui passe. Faut faire attention. Et ça va prendre point. Côté. Côté NGNL. Non, NGNL. Waouh, pardon. Il y a un truc que je comprends pas. Ah, oui, d'accord, j'ai mélangé. Je me suis mélangé dans ma tête avec les couleurs. Excusez-moi. Pas de soucis. Et on voit directement que ça change directement sur une dive aussi en attaque. Ça va être dive contre dive. Très, très intéressant. Il faut faire quand même attention au heal parce que les petites Anna et Edo qui prend un doom doom qu'on sait que ça peut punir. Ah, la petite frein vision pour justement voir justement où sont les ennemis. Aïe aïe aïe, ça met des balles à côté, hein, bien évidemment. Ça se regarde, ça va se sauter dessus. Le nano qui est parti sur l'inox, qui cherche l'Anna. Il cherche l'Anna et ça va sauter dessus. Hop, ça nano directement de, aussi le monkey. Ça prend un. C'est un. Aïe aïe, un montage côté. Chrono sur ce fight, ça va peut-être capitaliser, non? Il reste plus que Lucio et la Sombra, et malheureusement, ça va mourir. La Sombra va sans doute aller conteste le point. Ouais, elle va aller conteste le point pendant un petit temps. Hop, ça conteste, et ça va. Rez, et ça va continuer à conteste. Il n'y a même plus une bibon qui a été. Malheureusement, du MP, bon, la bombe qui n'était pas en l'air, le souci. Il fallait un peu plus d'attente, je pense, pour avoir une bombe en l'air, en tout cas. Et du coup, on peut voir une magnifique un magnifique comeback au côté NGNL. Hein. La dev, hein, ça perd le mecha, bien évidemment. Là. Le C9 Le C9 Le C9 Le C9 Côté NGNL, le C9. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Le hack sur le Doomfist. Et malheureusement, ça va prendre quand même. Ça va prendre davantage, hein, bien évidemment. Hein. Pour l'avantage, mais oh, NGNL qui oublie ce pays d'août. Mais non, il ne fallait pas l'oublier. Toi, L2 qui essaie de faire son malin sur le delay. Qui s'est fait totalement atomisé, ouais, exactement. C'est ça. Et Zina, hein, qui va quand même prendre un petit pic avant de mourir. Moi, je ne mourrai pas seul. Voilà, ce petit monkey qui est purple avec ce jump. Et en gros, la rage primordiale qui a été claquée. Le hack pour essayer de sauver. L'inox qui a tombé, mais malheureusement, Siboulette qui va quand même finir un pic sur Utux. Qui va perdre son mecha. Lutte de Soldier qui va être claqué pour essayer de prendre un maximum de kills. Siboulette qui va quand même prendre un pic sur capot. Fino double kill avec S1 qui prend le kill sur L2. Et Zika qui va finir le dernier kill sans delay avec. C'était pas très réfléchi comme action, je dirais qu'on a perdu le cash les deux tanks qui étaient beaucoup trop. Qui ont sauté tout seul finalement. Bah un Winston ça a rien à faire tout seul devant. Enfin. C'est ça, même s'il avait sa rage primordiale, vu qu'ils ont une sombra, il faut s'en douter du hike quoi. Il faut faire très attention à ça. Et du coup au niveau du top on voit que L2 passe sur le côté pour essayer. Oh, il s'est fait Goumez. C'est sa fête. Goumed. J'appelais ça Goumed moi, hein, la violence que c'était. Et ça prend une rush, une brode côté chrono. Et on peut voir que ça se voit, le Rain a été hack, hein, ça essaie de frapper des heals. Hein, côté NGNL avec la petite diva qui arrive derrière. Et Fino double kill. Ah là, Nato qui se fait punir quand même avec. Par L2. L2 qui arrive. Oh, magnifique. Mais attends, mais il se fait Goumed à vie. Oh là 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 là. Le L2 qui se fait punir lâchement et malheureusement l'inox il va mourir au repos en essayant de le pousser. Et malheureusement ça va être un reset. Je pense qu'une minute d'ailleurs. Désolé. Je pense qu'on a vu notre VOTG, victime of the match. C'est ça, hein, la victime de la soirée. Je vous présente, c'est L2. Waouh, bravo. Du coup, attention, ça engage. Est-Wing qui a été. Là, les pieds. Les pibombes qui va faire un double kill. Extrêmement bien joué, qui va péter le mecha de Ciboulette. Et qui va exterminer la team en deux. Magnifique combo. Exterminer la team en deux, carrément. C'est ça, et Fino qui finit avec un double kill. Excusez-moi pour vos oreilles si je vous ai cassé les oreilles. On s'en fout, c'est un cast. Criez, nom de Dieu. J'ai rue. Et du coup. Arias qui nous soutient dans ce chai. C'est ça, c'est un chai collectif. Du coup, on voit que ça reste sur cette brouille, ça va avancer. Déjà que plus que 30 secondes, faut faire attention à ça. Si on parle là-dessus, ça sera un 2.
1-1. C'est-à-dire, la belle nade sur 3 personnes. Faut faire attention à ça. Attention, la bombe qui va peut-être prendre un kill, mais non, ça a bien bug des deux côtés. Faut faire attention à ça. Chino a son ulti avec un nano boosté, ça peut faire un nano visor. Faut faire attention à ça. Inox qui dort sur ce payload. Man qui va mourir sous les coups de Fino. Fino avec sa roquette Elix qui n'a toujours pas claqué son ulti. Il faudrait peut-être tout claquer pour finir correctement. Inox triple kill. Rinka qui n'a pas. Il se dit je n'ai pas besoin. Shooter extrêmement. Les L2 qui fait un double kill. Et Fino qui va utiliser son ulti pour punir ce petit L2 avec son double fist. Et cette diva, ça va punir cette bébé diva. Et personne ne va contester. Ça va être première map gagnée pour aller NG NL. Exactement. Et c'est long. C'est peut-être long, mais c'est le jeu, ma pauvre du 7. Vu que ça fait deux maps, vous vous en doutez, on va faire une pause juste après. C'est ça, on finit d'abord ce petit POTG magnifique, un Inox 3ème POTG. Conseil Shutter, Shutter sur 4 personnes. On peut dire que l'Inox, son pic de confort, c'est un bon Reinhardt, quoi. Du coup, maintenant, on peut partir en pause de 4 minutes et on se retrouvera. La pause n'est pas prête. La pause n'est pas prête, mais on vous retrouvera quand même dans 4 minutes avec Akira qui vous expliquera pourquoi les NGNL ont été supérieurs sur ce fight, sur cette map, bien évidemment. Et du coup, on vous dit à dans 4 minutes, pause pipi room autorisée. A plus. Ain't nobody ever understand like us what it is to live in our generation. Cause I think there's nobody to trust in a world in which profit is a motivation. Cause ain't nobody understand like us what it is to live between generations. And I see the falling of the diamond dust. It is time to change our education. That's what I'll be, and that's what I pray.
that's what I see, and that's what I say, and I say never play, and I say always die. Say nobody ever understand like us what it is to live in our generation goes up. Think there's nobody to trust in a wall, and what's profit is our motivation. Cause ain't nobody understand like us what it is to live between generations. And I see falling up a diamond dust. It is time to change our education. Cause ain't nobody ever understand like us what it is to live in our generation. Cause I think there's nobody to some motivation. Cause ain't nobody understand like us what it is to live between generations. And I see falling up a diamond dust. It is time to change our education. J'introduis. Ah, excusez-moi tout le monde. Du coup, bon rebonsoir à tous pour cette 5e map. Un truc de fou. Et du coup, là, nous sommes au plateau d'analyse avec Akira. Comment vas-tu? Ça va depuis le temps. Ça va, pas trop dégoûté que ton équipe vienne de se faire prendre la dernière map pour eux? Non, non, bah, tu sais, hein, une défaite, c'est plus de choses à travailler, donc... Exactement. On prend ça comme une victoire. C'est ça, exactement. C'est une bonne chose. Du coup, je vais te laisser commencer par déjà la première map qui était Anamura. Qu'est-ce qui manquait justement au chrono pour avoir Anamura? Et pareil au NGNL, hein. Pareil pour eux. Hein. Bah déjà en défense, ça manquait sacrément de coordination et ça manquait de mail. Encore une fois, je sais pas pourquoi on joue pas. Mei et Lucio en rush, c'est très étrange toujours. Après du côté des NGNL, j'ai... Pardon. Ouais, je disais donc que pour de la rush, ça manquait toujours de Mei et Lucio. Des persos quand même clés, surtout sur Anamura. Parce que c'est une map avec un choke point qui se fait... un choke point, on va dire, principal où on est forcément obligé de passer par là. Donc une Mei, c'est quand même important. Et non, ça jouait pas de Mei. Après, on sentait quand même une certaine une certaine peur en défense. Les deux teams reculaient très vite, souvent. Ils n'arrivaient pas à tenir le choke, ce qui explique d'ailleurs le score hein, qui était assez élevé de chaque côté. Et puis voilà. Après, sur le deuxième point, on a eu des teamfights assez longues. Donc ça, encore une fois, je pense à une communication encore un peu floue, encore un peu brouillon dans chaque côté de team. Je pense aussi. Et je pense aussi que ce qui a eu un avantage comparé à, au chrono côté GNL pour gagner la Junkertown, je pense sincèrement que l'avantage, c'était de s'adapter à la composition. Parce qu'on a vu... qu'ils ont switch leur composition double shield directement sur une dive en mode ok, on va aller dive. On est bon quoi en dive? On va en dive et on va aller dégommer. Et ça s'est passé comme ça. Et franchement, ça s'est très bien passé. Je trouve. C'est vrai aussi, notamment NGNL qui a sorti une double sniper pendant toute l'attaque sur Junkertown qui a pas été contest de chrono, grosse erreur. Qui a continué à jouer Rein Sigma, si je me trompe pas. Tout le long de la défense, alors que une diva aurait pu contester les deux snipers. Donc peut-être quelques switch trop tard, ou c'était sur Junkertown, hein, si je dis pas de conneries. Sur Anamura par exemple, il y a eu un switch diva, mais aussi encore trop tard quand la widow prenait trop de pique sur deuxième point.
Donc tout ça, c'est des switch, c'est des counter picks qui sont pas pris au bon moment. Et donc qui laisse trop de temps, enfin qui a du coup laissé beaucoup de temps à NGNL de s'exprimer et de prendre de la place à ce niveau-là. Et franchement aussi, je trouve que NGNL a un problème avec le payload et des points. Parfois ils oublient de cap, hein, c'est vrai. Voilà. Soit ils ont cap, soit ils se font C9. C'est vrai que c'est honteux. C'est vrai. J'ai remarqué aussi, et si parfois on laissait un point, enfin un payload sans escorte, parfois on bah comme sur Jack Horton, on s'est fait C9. C'est ça. Est-ce que pour toi, tes MVP que tu gardais dans ta tête, tu les as, c'est les mêmes ou t'en es nouveau? Oh, ça reste les mêmes. Après, encore une fois, je vais pas trop m'exprimer sur ce sujet parce qu'après, ça va faire des jaloux. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas à débattre dans le chat d'ailleurs lequel de ces 12 joueurs vous voulez voir en tant que MVP. Du coup, nous allons tout simplement partir sur la prochaine map choisie par les chronos, car c'est eux qui ont perdu, qui est actuellement Busan. Busan, Busan qui est une map, on va dire, assez technique, parce qu'on peut jouer sur une map en priorité, je dirais, sur une map c'est priorité rush, sur une autre c'est priorité dive, et sur l'autre, bah, c'est un peu de tout en fait, tu peux tout jouer. Même si dive n'est pas la meilleure chose, on peut tout jouer. Tout à fait, et on est d'ailleurs parti sur Busan. Voilà. On est parti en voyage, on a pris nos billets, on y est. Voilà nos petits billets, on va aller voir Diva qui va gober des litres et des litres de boissons énergisantes, hein, sa boisson, une cola, hein, et pas autre chose, hein, bande de petits chenapans. Et on va partir directement sur sa petite maison, sa petite base, la base Mecha. Une map, comme je le disais un peu plus tôt, qui est justement est plus avantagée avec de la Brawl Rush, avec de la Mei, de la Reaper, de la Lucio et du Reinhardt. Après, ça n'empêche pas les joueurs de jouer au double shield, bien évidemment. Ça n'empêche en rien ça. Et du coup, maintenant, on va voir justement ce qu'ils ont. Et on peut clairement voir que L2 leur a donné un petit conseil, hein, parce que ça part directement sur la composition que j'ai proposée. Et ça va partir quasiment sur la même en face, sauf qu'à la place du Reaper. Comment ça que t'as proposé ? Quoi ? Comment ça que t'as proposé ? Bah, que j'ai cité juste avant. Rein, Zarya, Reaper Mei, j'avais dit. Et eux, ça va prendre juste, à base du Reaper, c'est un Macri, qui est tout en, qui est efficace, et une Nana, qui est là pour mettre des huge purple, comme on appelle ça dans le milieu. Du coup, ça va égraiser sur cette hauteur. Un joli wall des deux côtés, il faut faire attention, la purple de Tux, qui va punir l'inox, Rinka et Milk qui vont tomber juste derrière, ça va être un dégringolade, et du coup, ça va aller tout simplement mourir, reset, et premier point capturé, enfin nous avons encore 3 secondes, un point en train d'être capturé et sans doute être capturé par les MGNL. Mind, et je dirais même Mind, effectivement. MGNL. Pourquoi t'as répété MGNL, je sais pas. Bref, c'est parti pour un team fight, on est fatigué, c'est pas grave. C'est ça, pardon, excusez-moi. Qui est bien placé de LH, hein. C'est qui ça, a bloqué, hein, le Lucio. C'est ça, il y a eu un magnifique wall qui a séparé la team en deux, une belle engage en tout cas, qui prend un pic et Capo qui n'a pas envie de se faire delay, du coup il va sauter directement dans le vide. Du coup là, hop, déjà ça met un wall pour essayer de faire un truc, mais heureusement ça fait rien. Ça va agresser, hein, le rive. Attention la Mei et son wall, hein, L2 avec. Attention Inox qui va quand même se faire. C'est ouh la Mei qui essaie de mettre un bon mur, mais oh, il est agressif en plus, et la magnifique Gucci de au-dessus du wall, shutter sur 5 personnes. C'est ça, Man qui va faire un triple kill, Inox double kill, un magnifique shutter pour justement, franchement. On n'aurait pas pu faire mieux, je pense. Là mon cerveau est à 90 degrés et 100 ms, quoi. pas de soucis. Du coup, ça agresse, vu qu'on sait qu'ils ont plus à deux et non, ça va agresser. Oh là là, le shutter qui va arrêtez être complètement mist. Mais ce n'est pas grave, le nano qui a été claqué avec la graviton pour temporiser. La charge de l'inox qui va prendre un pic. Double pic, double kill de l'inox et
Inuzuka qui va prendre un petit kick avec sa Blade Dead, Nilox Trip, cul. Et c'est Blade qui va envoyer, qui va juste brûler Capo avec son ring. J'ai une question. Est-ce que tu te rappelles de la première map? Comment ça jouait? Est-ce que tu t'attendais à ça maintenant? Non, absolument pas. On est d'accord. Je comprends plus rien. C'est ça. Ouais, mais ce magnifique shooter sont 4 personnes qui vient punir, mettre une petite fessée sur le petit cul de NGNL. Franchement, c'est on plus s'y un match. C'est plus un match, c'est une légende. Mais là, on n'arrête plus les chronos. On c'est les a saga. Cassés tous. L2 qui attend. Mais L2 qui a pris, vu qu'il passait par là. Et ce wall magnifique qui vient vraiment bloquer et prendre la première map de Busan pour les chronos. J'ai rien compris. Je sais juste que c'est devenu une saga, genre avec des épisodes de plus en plus intéressants et il se passe de plus en plus de trucs. Tellement de trucs intéressants que j'arrive plus à les traiter. Ou c'est juste la fatigue, je sais pas, peut-être les deux. Ouais, c'est ça, c'est franchement. Et franchement, Sanctuaire est une map, un avantage pour les deux équipes, parce qu'on sait que là, on a compris. La rush, on la donne pour chrono. Mais celle-là, on peut prendre la double shield si on veut, et la dive. Même si c'est pas très avantageux. Du coup, là, on peut voir que côté NGNL, ça va prendre de la Pharah. Ash, Lucio, Merci et Renzaria. Et qu'on parle de l'autre côté, ça va prendre quasiment la même chose, sauf que on n'a pas de Lucio, mais on a une Moira pour plus de heal et un Macré à la place de la H. Et du coup, ça s'envoie des roquettes hein, entre les deux Pharah, ça se pocket, hein, ça se touche. Rinkaki prend quand même des gros dégâts qui est one. Rinkaki est one et qui va tomber sous les coups de ce petit Lucio. Et oh, L2 qui va mettre une double direct roquette à ce petit Nato pour le punir. Oh, Nato, oui, effectivement, c'est... Ça va être raise sur Nato, effectivement. Lotux qui va quand même raise et Nato qui va finir quand même le travail sur L2 qui va le punir et aussi finir Ninox et Onizuka. Et cassé, premier team fight. C'est Swede aussi sur sa Pharah qui répond. C'est sa première. Et petite emote aussi. C'est sa première premier fight remporté par des NGNL. Est-ce que ça va faire comme tout à l'heure? Première fight NGNL, puis le reste chrono. Ça, à nous de venir dans cette magnifique partie. Ah, mais c'est la fin si chrono gagne. Oh, bah. Non, on va rien dire. On est neutre. Et oh, Capo qui va punir avec cette petite Pharah Nato. Cette petite Moira qui va grid et il y a Lucio qui grid et qui va se faire punir, mais heureusement que cette team est là avec des énormes dégâts pour continuer et L2 qui punit cette Pharah dans les airs en mode tu voles trop, redescends sur terre, je te glace de sang, comme dirait mais du coup ça va avancer. Nous sommes déjà à 55%, encore deux fights. On va se taire, les amis. Ça a encore deux fights. Maintenant, on va casse dans le et silence. C'est ça, on va casse dans le silence. Et même pas. Non, on va continuer jusqu'au bout. Attention au niveau des outils. On a quasiment tous les outils de Bob qui a été envoyé côté Fino. Et ça fait des énormes dégâts. Aïe aïe aïe, Nino. Malheureusement, Natsuo qui fait que dalle. Et qui. Ça continue. Capo qui va quand même revenge hein, avec Onizuka ici boulette, et n'est pas fini. Bob qui fait encore des énormes dégâts. Counter charge pour bien séparer ça. Elbou qui est en train de geler ce petit rain. Ça conteste au maximum. Rinka qui va prendre le pic sur Fino. Capo qui va punir Rinka qui va le revenge. Le reste de Fino avec la merci en ulti. Avant que Valkyrie, Zinka qui va prendre le kill sur Ninox. Et là malheureusement on va dire que ça fait rien en fait. C'est. Sa mère est. Oh, Onizuka qui a switch sur une petite Widow qui a pique cette petite natte. Moi j'ai une question. As-tu vu Non. As-tu vu le beau counter de Dedai de Rinka? Genre un Lucio qui counter Dedai, clairement. Il est arrivé. Il lui a sauté en plein dessus avec son beat. C'était insane. Oh. Bah c'était juste magnifique en tout cas. Je vois de quoi tu peux parler. À dessous, alors la graviton qui touche et qui va conteste. Et malheureusement j'ai pas vu le temps, excusez-moi, j'ai été perdu. J'étais perdu, je n'ai plus d'eau, je dois boire. Et du coup
fight remporté par les NGNL. C'est un match sans fin, un match avec du spectacle. Mais je veux dire, il faut une après-midi. Prenez une après-midi pour revisionner ça. Mais, dites à vos amis qui veulent voir un beau casse, vous leur dites réservez un après-midi. Vous avez rien à faire. Vous voulez voir quelque chose de beau. Voilà, vous avez la rediff sur Blue Genji. C'était la petite instant promo. Voilà, donc on a un Ekumpo qui se... Ah non, mais à chaque fois je crois qu'elle retourne du Dompis, il nous bait. Et du coup, on va directement dire côté chromo. Ça va partir directement sur la dalle avec cette Amon, Diva, Widow, Para, Moira, merci. Comparé avec Complète, ça va prendre de la classique Brawl. Et cette Brawl qui va faire quand même le taf en tuant cette main. Mais malheureusement, le pic a été pris par Yunezuka qui va être au reste juste après. Attention, ça va conteste. Moira qui vient d'être raz aussi. Faut faire attention à ça. Et Nato qui va prendre le pic sur cette petite Widow. Qui va prendre un double kill avec aussi cette petite merci. Aïe 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 aïe. Fino qui va finir ce kill. C'est Bluette qui va quand même punir ce Fino. Ça conteste au maximum. Et malheureusement, ça va mourir. Hein. Et ce petit Nimox qui va essayer de survivre mais qui va mourir sous ses coups de cette Pharah. Cette Pharah qui est vraiment trop imposante. Et Edo qui va directement switch sur une petite hache. Et ça va apparemment switch aussi le heal. La Mercy qui passe directement sur un Lucio. Et du coup on peut voir que cette petite Widow, enfin cette petite Pharah Natnon qui va au top et qui va directement attendre cette hache qui grille un peu sur ce top et lui punir de deux roquettes dans sa bouche. Voilà Goumé. Et du coup, voilà Goumé exactement. Et on voit que Amon il essaie de faire des choses, hein, Nimox hein, qui passe à derrière, qui essaie de faire bouper, etc. Mais malheureusement sa team qui est en infériorité numérique et du coup il faut attendre la hache qui va faire un tour pour. Et c'est qui va monter à ce top pour essayer de choper cette petite Pharah. Faut faire attention. Et boop, lutte de Moira qui va faire des énormes dégâts. Le pin sur cette Diva qui va perdre le mecha. Mais malheureusement, on part aussi Fino. Aïe 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 aïe. Onizuka qui va prendre un pic. Mais Zika qui va aussi revenge en tuant Ciblette. Du chatter sur deux personnes. Attention, Main qui va mourir. Lucio qui est one. Il faut faire attention à ça. Ninto qui va essayer de faire un truc. Mais malheureusement, ça peut rien faire. Zika qui va prendre un triple qui est là-dessus. Est-ce que 70%? Est-ce que ça va partir sur du 2-2? Au secours, on en a jamais fini. Je crois. Attends, ils ont pas dit leur dernier mot, les Kondas, quand même. Ah non, ils ont. C'est sûr qu'ils ont pas dit leur dernier mot. Barrage mais... de roquette de Nato, regarde-le. Moi je te prédis un beau barrage. Nato qui attend un barrage et une bombe. Ah, mais attention, la bombe qui va prendre personne. Ah, une graviton qui prend un double kill de Zika. Qui aura un double kill. C'est ça, la Diva, Ciboulette là, qui se fait punir malheureusement. Malheureusement pour les chronos, on n'arrive pas à conclure et on passe sur un 2-2. Cinquième. Sur une sixième map. Sixième map. Oh non, mais c'est un truc de fou. C'est le match de l'année. Mais waouh. Mais s'il vous plaît, laissez-moi aller manger. Les joueurs aussi, ils ont faim. Les casteurs aussi, je ne veux plus parler. Tu n'es pas un joueur, d'orage, tu es un casteur. Mais vous voyez pas, mais moi dans le chat, je les vois, les petits tontes en mode hey, mais s'il vous plaît, Chrono, on voudrait manger, finissez. Et on voit NGNL qui gagne. Oh waouh, juste waouh. Cette partie en 6 maps. Oh du coup, du coup, map. On demande à map côté Chrono. Bien évidemment, hein, Chrono, on leur demande une dernière map, hein, pour une potentielle dernière map. Dernière map. Ah mais non, on peut pas faire égalité. Finir... Dernière. Hein. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini, bande de petits saigos. Oh, t'es un malade, Bernard, t'es un malade. Ça va partir sur Népal. Sportif. On part sur Népal, effectivement. Et Népal, c'est... Cette fois-ci, on m'écoute bien. Ah, écoute-moi, il n'y a plus d'égalité maintenant. Là, c'est là où ça se... On peut pas faire égalité sur une KOTH, on peut pas. C'est la dernière
map de ces 6 maps. C'est ça. Moi, ce que j'ai juste envie de voir, personnellement, actuellement, c'est je veux voir en 3 maps. Je ne veux pas voir en 2 maps gagnant. Il faut que ça se finisse en beauté. C'est... Pour moi, sérieusement, si ça se finit en 2 maps... Je vois des dommage. 2 partout. Je vois des 2 partout. C'est... Je. C'est du coup, je vais me réveiller. Et on va partir. On va partir sur Village. Village qui est une map avec des hauteurs. On peut prendre de la dive, de la double shield, comme de la rush. C'est une map où on joue souvent Symmetra avec Damé et Anusio. Pour ça, raconte une histoire. J'ai dit quoi? Des deux côtés, on voit là quasiment la même composition. La Symmetra main, mais non. Ici, sauf qu'on voit un truc différent. On voit que côté chrono, ça va safe le heal, ça va safe justement une Moira. Et de côté NGNL, vu qu'on sait que ça va jouer au CAC, si, comme on sait qu'on va dire qu'on va contester ce point à fond, on prend une Brigitte pour aller mettre de l'amour à tout le monde, pour que personne ne tombe. C'est Brigitte qui va avec son tonton là. Ça va être un fight du futur. Comme tout ce match. C'est ça, hop, TP en même temps des deux côtés. C'est du miroir. Les joueurs qui sont bien placés des deux côtés. Faut faire attention. La Symmetra qui fait des énormes dégâts. Zeka qui prend un double kill en un seul coup. Et ça va être un fight triple kill de Zinka. Ça va être un fight complètement gagné côté NGNL. Première partie gagnée. Wow, mais c'est les mêmes actions. Des deux côtés, c'est passé. Là, fucking même chose. Hein. Et je pense que c'est là où on voit qu'une Brigitte c'est beaucoup plus fort. Parce que ça fait des dégâts en healant, ça met 2 d'armure. Ça met un stun. Et du coup ça met un TP au top pour justement les accueillir parce qu'on sait qu'ils vont venir au top. Et le tourelle c'est un peu, ils attendent. Lucio t'as un boop, bah moi aussi j'en ai un. C'est ça, j'ai par contre ça a directement switch. Ça a directement switch la met par un Reaper et la Symmetra par une Pharah. Du coup ils ont plus de Sio, ça va poke à l'intérieur, il faut faire attention à ce poke. Ça va quand même agresser. Enfin attention au niveau aussi, au niveau des outils, on a un avantage, on a un bien. On a un shutter côté Zika. C'est ça, il faut faire attention. Et malheureusement le teamfight est complètement à l'avantage des NGNL qui jouent avec ce point. Voilà, L2 qui prend quand même le pic sur Philo. Sur sa petite main, ça va être compliqué. Double kill. L2 qui n'est absolument pas contesté vu qu'il n'y a pas de hit scan. C'est tentant par adulte. Hein. Ah, c'est tentant. Et là ils sont en avantage les chronos. Faut faire attention. Faut pas trop utiliser. La brigade qui est utilisée. L2 qui utilise un outil qui va prendre un pic sur solution. Faut faire attention. Ça conteste. Mine qui va quand même prendre son Zinka. Ça va pas claquer puce. Aizo qui fait un magnifique job avec sa Pharah sur ce point. Chino qui va quand même prendre un pic sur Inka. Et oh, le bizarre. Mais je pense qu'il a utilisé ce bizarre parce qu'il a switch. S'il ne switch pas par contre, il y a un souci. Ouais. Ce qui est marrant, c'est vraiment, parce que c'est un endroit clos, les coups de marteau de Reinhardt, ils connectent absolument tous. C'est ça. Ouais. Et on peut voir qu'au niveau des ultimates, nous avons un petit avantage côté NGNL avec un beat. Un outil extrêmement défensif. Obligé de vulgaire, et hein. Oh, Nato qui va se faire punir avec cette frappe de feu de ce Ninox. L2 qui va prendre un pic sur ce Fimo qui va essayer de le contester avec un Macri. Et Inizuka qui va se pique. Je suis tellement loin. Ça peut changer parce qu'on peut. Mais attention, Grid, parce que Mainla vient de se faire punir. Mais attention, Nato qui va peut-être prendre une deuxième roquette. Attention, il n'a pas. Le problème c'est que là, notre cher petit Natsuo, il n'a pas de Mercy qui l'accompagne. Mais prendre le fight de Pharah, c'est hyper dangereux quand il y a une Mercy d'un côté mais pas de l'autre. C'est ça, c'est extrêmement dangereux, mais c'est Bonzi et Rinka qui va punir cette punaise de Mercy qui va être traînée dans les airs. Attention, L2 sur ce top qui va être puni, ce shirt qui va pas passer côté Linox, ça agresse, attention. Ça se frappe avec des gros coups de marteau. Hop, ça se bulle. Avantage, L2 qui prend un pic sur Natsuo. Attention, l'outil de L2 qui va prendre un double kill là-dessus et qui va être quand même puni. Oh là là, Onizuka qui va prendre un pic quand même sur Shino. Ah, ma gorge. Attention, et cette Mercy, cette Mercy qui reste mais qui va pas. On a un Desplosum. Non, ok. Non, on va tempo et attention, 86, 87%, ça monte au côté NGNL, il faut aller toucher et on est en avantage
numérique actuellement côté NGNL. Je pense que magnifique graviton qui va prendre un pic, mais malheureusement Zika qui va prendre un pic, Inato qui va punir cette petite démoire en outil qui va pas pouvoir dash, Capo qui va prendre un pic sur Corsi, Boulette et personne ne peut toucher. Première map récupérée les NGNL. Ouais, à mon avis, au début du débat c'était Lucio ou Brigitte, mais hors de question quelqu'un d'autre. Et puis là, en fait, le souci c'est que la Pharah était trop dépendante de sa. À mon avis, ils ont trop joué sur la Pharah Mercy. Et du coup, ça, ils ont un peu niqué leur deuxième healer, quoi. Après, c'est logique. C'est assez logique. Quand il y a une Pharah Mercy, c'est dans les airs. C'est-à-dire qu'au sol, t'as que 4 personnes. Oui. Mais du là, coup, ça regarde de l'autre côté. Regarde de l'autre côté ce qu'on avait. Ça arrive très mal. C'était des endroits clos, ce genre de choses. En soi, la Pharah n'avait pas vraiment besoin de soutien. C'est ça. Du coup, maintenant. Si sur une map comme ça, on a vraiment besoin de soutien, quoi. C'est ça. On peut voir que des deux côtés, ça va prendre une brûle. Mais on peut voir qu'il y en a une qui va garder cette Pharah Mercy avec cette Anna. Et de l'autre côté, ça va prendre la Brigitte Moira, les Reaper. C'est d'agacer Brown, hein. Faut pas se le cacher. Et en tout cas, malheureusement, c'est un magnifique Wodome qui va prendre un pic justement sur Ciboulette. Enfin, Ciboulette qui prend justement des pics justement sur les NGNL. Et du coup, ça va directement repartir là-dessus. Et ça va fuir, mourir, faire ce que ça oh peut. Oh là là, la petite Pharah là qui se fait poursuivre. Ah, elle est morte. Et elle va mourir. Ah, si, de snipe, hein, de L2. L2, on a vu avec Samy qui arrive à snipe des Pharah. C'est très efficace ça. Oh, je vois un junk de Fino. Fino sur un junk double. Oh, ça va tellement avoir des gros dégâts avec une Pharah. Aïe aïe aïe, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux dégâts parce qu'ils ont des énormes dégâts, même si c'est pas très logique vu qu'ils n'ont pas de Lucio. Mais pas grave, ça poke, ça fait des énormes dégâts. Ce Reaper qui monte au top, Onizuka qui va essayer de contester, hein, de passer par derrière. Ça poke, mais on voit pas le fond du choc. C'est ça, et oh, Nato qui va prendre un pic sur cette Brigitte, mais malheureusement qui va être puni. Shutter cancel, la charge, attention, mais pourquoi il charge une charge complètement greedy là-dessus? Il y en a eu deux charges qui n'avaient pas de sens. C'est la fatigue. Ok, c'est on ça, a c'est un clairement un qui se fait totalement. Ah, le passif. Le passif qui va faire des énormes dégâts. Et oh, Nato qui va prendre un double key. Mais attends, on peut repartir là-dessus. Ils sont que 12 au point, ils sont que 3 même. Ils sont plus que 3, on peut avancer même si on est que 5. Comment il s'appelle Onizuka. Onizuka qui est sur la droite, ouais, qui essaie de faire des choses, il n'a plus de ghost, il faut faire attention à ça. Il a pas d'ultimate, du coup il va tout simplement back avec un TP et ça va être au point pris par les NGNL. Onizuka qui se fait illuminer à la dernière minute, mais au pire moment, le pire delay du monde, c'est ce Reaper. Aïe, on perd du temps, on a déjà perdu 10% de ce point, donc 10 secondes, logique. Et du coup là, attention, Fimo avec son pneu qui arrive du top, mais attention, ça entend, ça sound, on sait qu'il passe en bas, on le sait, on commence à l'époque, oh, ça va, oh, Fimo oh, qui oh, va non. directement hut, on va utiliser que ça, oh, on va non. attendre, oh, attention, non. et oh, ça va pas prendre de pic, heureusement, la Brigitte qui va commencer la charge de Zika. Oh là là, ça a été Nano pour le sauver, malheureusement le Blizzard qui a été claqué. On va essayer de choper ce Zika. Mato qui meurt malheureusement, mais Fino qui va prendre un pic. Fino qui prend un double pic. La Pharah qui a été res. Zika qui va pas mourir et qui va prendre un double pic. La Anna qui va prendre un pic sur Inka. Ciboulette qui va prendre un pic sur le Zika. Oh, et la Zarya, la Ciboulette qui va être légèrement dealée comparé à sa team. Bois ton verre d'eau. Ah non, là c'est un match d'anthologie. J'étais déçu au début, je me disais c'est bon, on a laissé les beaux matchs genre, la semaine dernière. Non, ils sont là, ils sont deux fois plus forts, ils sont économisés, ils sont là. Et ça commence directement la bataille de Pharah qui est remportée par L2, L2 qui se fait éliminer par Eswin. Le Rez sur Natlou, Niliox qui récupère Lotus, mais je dirais pas son pseudo. C'est ça, mais attention. On peut voir qu'il y a un avantage en tout cas avec un shutter, une Warrior Strike, une Moira qui a bien uti. Ça va directement reprendre le point à 81% contre 73. Ça va vite reprendre, ça va switch la Brigitte sur une Mercy pour justement supporter cette petite Pharah. Ça va y reprendre. Attention, dernier fight pour René Chrono pour savoir s'il gagne ou pas. Non mais arrêtez, regardez, c'est tout close. Même sur les maps elles-mêmes, c'est close. Pas les manches sont close, il y a tout qui est close.
C'est ça. Attention, dit quasi 92, 93. Il faut aller bientôt à les comtesses. Il faut aller. Sur la roue, la roue. Finot qui hute. Attention, Edo pardon qui par contre qui punit Natsu et Edo qui punit la Merci aussi. Zika qui va prendre un kill sur Inox. Man qui va prendre un kill sur la Ana. Zika qui va prendre un deuxième kill sur la ciboulette. Sur ciboulette juste. Et le reste sur, l'Azira. Sur l'Azara. Edo qui va prendre un pic sur sa peau. Spino, ok. Ciboulette qui prend un double kill. Avantage actuellement pour les chrono. Et ça va être une map ça va être la deuxième map récupérée par les chrono. 1-1 partout. Ça va finir sur hôtel. Ça ne finira jamais. Jamais. Jamais, là ils vont être en overtime toute la nuit. Ah putain. Il y a encore 6 spectateurs hein. Ça suit toujours hein. Les gens sont réveillés. On est... Ils ont réveillé plus. Bravo. Ils sont hype. Comprenez notre douleur. C'est ça, c'est... C'est un mélange de douleur et de hype, c'est... On a envie, on a vraiment envie, en même temps on est fatigué, c'est... C'est impressionnant. C'est fou. C'est complètement fou. Et on peut voir qu'actuellement, au niveau des compositions, je pense que sur NGNL, ça va partir clairement sur la rush classique avec un Junkrat et un Torbjörn, justement parce que c'est serré. Mais moi, ce que j'aime, c'est la composition des chronos. Qui ont un Amon, une Orisa, avec une Echo Reaper, un Lucio et une Ana. Ça va clairement chercher le fight. Envoie. Oh là 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 là. Ça va directement aller sur le point. Mais attention, Amon qui va essayer d'aller boop côté Nintox. Ça boop, mais ça va pas tuer la petite Ana qui va, réussir à survivre. Ça va être sur le point. Et donc il détruit cette petite tourelle avec son petit Kegra. Et donc il va prendre un pic sur. La Zarya, Onizuka qui va prendre un pic sur la Ana, Nintox qui fait un double kill avec un magnifique boom sur Nanto. Et ça va être premier fight récupéré par les chronos. Ouais bah t'inquiète pas, ils vont monter à 80% et puis NGNL vont monter à 80% aussi hein. Bah, c'est ça, ça va être ça. Et Swin qui prend quand même un pic avant de mourir sur ce Lucio en mode je meurs mais toi aussi. Du coup là on a un avantage numérique côté côté NGNL vu qu'on n'a pas encore Lucio. On a pris une sombra pour essayer de récupérer cet Amon, mais on peut voir un double kill, Zika, qui va pin justement ce Amon dans ce coin et qui va boop cette Zarya, mais Fino qui va tuer l'Inox, Edo qui va quand même prendre un ping sur cette petite Ana, Edo qui a une énorme pression et que Fino va quand même punir. Fino double kill, très gros boulot de Fino là. Fino qui ressort sur ce dur et qui va complètement exploser la team adverse. Ah, il ne maîtrise. Et attention à Purple, hein, on voit quand même la petite Sombra qui essaie de charger un petit UMP assez rapidement. Et on voit que ça a directement pris la Sombra quand on a vu l'Amon. Quand on a vu que l'Amon était beaucoup trop embêtant, on a fait ok, prends Sombra, on va le punir. Et ça c'est énorme. Attention, Inox qui va dive sur le point et qui va être hack avant de toucher le point. Qui va être rentré à l'intérieur. Attention, Nanto qui est dos. Le brochet qui touche malheureusement que 100% de Eastwind. Fino qui va prendre un double kill. Zuka qui va quand même tuer Zika. Lotux qui va prendre Ninox. Et Eldo qui va punir justement ce petit capot. Et ça va essayer de cap de point. Mais malheureusement, ça conteste un magnifique conteste de solution. Mais malheureusement, aïe 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 aïe, on fait pas attention. Et ça a pris. Malheureusement, Lotux qui a été pris. Fino et Eastwind qui font un magnifique taf. Et ça va reprendre point. 40%, 40%. Ninox qui a failli boop là. Qui a failli boop du monde, mais malheureusement non. Et ça conteste toujours. Ça va conteste jusqu'à la mort. Mind qui va mourir sous les coups de Fino. Et ça va aller choper le point depuis vite possible. Et Ninox qui va tomber sous le coup de cette sombra avec un hack. Oh là 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 là. Quel match tellement tendu. On peut voir que les ultis sont aussi serrés. Mais on peut voir surtout un IMP qui est ready. Et avec. Je pense qu'on va attendre le shutter. Je pense qu'on va attendre le shutter pour avoir un IMP shutter. Sincèrement, je sais qu'il va passer, mais justement il va être réveillé hein, malheureusement de POC. Inzuka qui va faire le grand tour pour essayer de faire un truc. Il va directement back avec sa forme. Edo qui va. Il s'est trahi. Oh là là. Et de l'autre côté, trois personnes font le grand tour. Edo qui va prendre un double kill. Mais de l'autre côté aussi, sur le kill. Et du coup, ça va aller justement aller conteste ça. Hein, le Amon qui a été hack et justement qui va être puni. Edo qui fait des énormes dégâts. Il a envoyé ça qui tombe sur le point. Edo qui prend un kill mais qui va être puni par Fino. Et
et de boucle de Lucio. Attention, nous sommes à 85%. Dernier fight au pour savoir si est-ce que tu pourrais m'expliquer. Est-ce qu'il pourrait m'expliquer la solo grave sur le Reaper? Je ne sais pas, mais on verra ça plus tard en avec leur interview, bien évidemment. Du coup, on part. Ils sont encore en vie. 4 personnes. On a le Nano Visor, la Night of Visor. Et tiens, on a more time. On va commencer à se jeter. C'est la win des NGNL. Remontada du Turfu qui va clairement faire dire au chrono Synth Down. Et on finit avec Nato, magnifique POTG avec IMP, juste magnifique, 4 personnes, avec ceux qui ne peut pas remonter avec un hack. Et sous cette moment parfait et un Nano Visor. C'était l'action de la win, clairement. Alors, qui veut. On va demander qui veut bien évidemment être interviewé. Je suis en train de demander. Ok, bah fais-le. Du coup, déjà, juste bravo aux deux équipes. Juste bravo. Parce qu'on a pu voir quand même une game qui a bien commencé avec Chrono. Et NGNL qui s'est dit, wesh, on va pas se faire marcher dessus. On va les goumer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont très bien joué la brode. Et je pense justement qu'ils ont trop forcé sur Nintok avec son Amon et à son bras. Je pense qu'ils auraient dû switch beaucoup plus tôt. Tout à fait. La fatigue. Hein. On a déjà nos deux interviews qui sont prêtes. Hein. Ils ont envie de dormir. Ok, ok. Ouais, du coup. On commence par les perdants, alors, comme toujours. Enfin, comme les. Ouais, et on va laisser Akira poser des questions. Et on va laisser Akira. Et on va introduire Akira aussi. Akira, et ouais. Moi je vais vous laisser. C'est ça. Akira qui va bien évidemment m'aider à poser des questions et à voir, parce que moi j'étais dans l'action, j'ai dynamité. Lui, et Akira qui a vu beaucoup plus de choses importantes. Est-ce que Akira, es-tu là, mon cher ami? Je suis là toujours. Tu es là, ok, c'est parfait. Du coup, on peut directement move Mind, un joueur des chronos. Bonsoir à toi. Bonsoir. Déjà, moi, je voulais d'abord vous féliciter à ton équipe et aussi à notre équipe pour nous avoir donné le plus long match de la carrière de Blue Genji. C'est un truc de fou. Même, je pense que c'est un peu le plus long match de tout le monde, parce qu'il a quand même duré presque 3 heures. C'est ça. Avec les pauses et tout. C'est ça, avec les pauses, hein, pipi room, on connaît. Déjà, moi, je voudrais déjà laisser parler à Akira, vous poser les premières questions. Bah déjà, yo, parce que, l'air de rien, on va en parler de tout ça, hein, parce que je suis ton coach à l'arrière. Déjà, j'ai envie de dire, vous avez sûrement remarqué vous-même, mais c'est passé d'une game un peu brouillon à quand même pas mal de jeux à la fin, même si c'est un peu relâché sur Népal, sûrement à cause de la fin. Mais c'était quoi votre plan de jeu global lorsque vous jouez sur Rush? Non, quand je voulais Rush en général, c'était quoi votre... Sur Rush, c'était tout... L'idée de leur foncer dedans et de. Enfin, voilà quoi, de les foncer dedans. Après, quoi, le... on n'avait pas trop de plan, parce qu'en fait, c'était une compo rush, on partait juste et on essayait vraiment de les. Bah, prendre beaucoup d'espace et de les tuer. Ok. Du coup, votre idée de rush une team sans Lucio, comment c'était censé se faire? En fait, il y avait un problème, c'était qu'avec Ren Zarya, on n'avait vraiment pas beaucoup de heal, c'est-à-dire que si on prenait Annabelle, elle n'arrivait pas à gérer de heal et Lucio. Un Lucio, ça reste souvent en speed et on n'avait souvent pas de heal en fait. Mais justement, là, il y a le souci, c'est que si tu dis que ton Lucio est trop en speed, c'est malheureusement sa faute, parce que en étant un énorme fan de Brawl et énorme fan de Lucio, normalement, tu dois être en speed, certes, mais pour l'agression, pas pour le fight. Mais bon, ça, c'est pas grave. En tout cas, bravo. Et est-ce que vous pensez que c'est par rapport à votre sub que vous avez perdu ou pas? Pas vraiment, c'était plutôt en fait, dès qu'on avait une Ana Lucio, il y avait un gros problème avec un Lucio d'en face qui faisait vraiment que de venir sur la Ana. Sur Ana Mura, sur le deuxième point, la Ana est mourue tout le temps au début de fight et ça nous handicapait vraiment parce qu'après, on avait soit une Moira ou un Lucio, mais Moira, elle a souvent pas de heal du coup, vu qu'elle est obligée de heal toute la team. Mais sinon, vous pouvez voir que tout le temps, il y avait un Lucio sur la Ana et
c'est un peu compliqué de l'aider vu que tout le monde essaie de prendre un peu l'école de tout le monde parce que tout le monde essaie un peu de parler et donner des informations. Du coup, des gens n'arrivaient pas spécialement à venir aider la Anna. Et comment ça se passait au niveau de la com? Est-ce qu'il y a eu une dégradation de la concentration avec le temps? Parce que c'était quand même long, hein, 2h30. Oui, je pense ça, vu qu'il y a 2-3 joueurs qui n'avaient pas encore mangé, il y en avait encore D'accord. deux qui avaient juste avant d'aller dormir. Je n'ai pas encore mangé non plus. Hein. Une grande déconcentration. Okay. C'est ça. Moi, j'ai une question. Même si je pense que Nintox a un très bon Anamon, excusez-moi si je suis un peu nez bouché, pourquoi vous avez forcé Nintox, pardon. Sur la dernière map de Népal, vous êtes parti sur Orisa Amon. Quel a été votre objectif à ce moment-là? C'était tout d'abord avec le Amon pour mettre les gens dans le vide. Et on l'a pris Orisa parce que notre deuxième tank, du coup, c'est un love tank. Et on n'a pas pu. Alors là, pour avoir un peu de protection, mais sinon, vous voulez partir en diva. Mais après, sinon, on est voir. On n'a pas du tout de shield. Mais Amon, ça a plutôt bien marché vu qu'il mettait les gens dans le vide avec, avec les mines et tout. C'était assez cool. Moi, après ce que peut-être vous ne savez pas, mais la dernière map, justement, c'était une map à dive. C'est une map excellente pour la dive. Pourquoi pas partir en dive sur celle-là? C'est dommage. Hein, peut-être que vous ne savez pas, ça arrive. Mais... Et personnellement, ça c'est que mon avis personnel, mais je pense que vous avez forcé parce que la Sombra restait toujours là pour le hack. Elle était vachement présente, elle s'est fait hack très rapidement. Et du coup, je pense sincèrement que un peu trop forcé à mon goût. Mais en tout cas, vous avez très bien joué sinon. Merci. C'était très beau à voir. Et voilà. Moi, j'aurais une question pour toi, Mine. Oui. Quel est pour toi le MVP de l'équipe en face? De l'équipe en face? Je dirais l'un des deux DPS ou les deux, ça dépend. Parce que sur certaines maps, on voyait plus un DPS que d'autres, mais par exemple sur Junkertown, on les voyait vraiment les deux. Ils étaient tout le temps derrière en train de piquer des heals, etc. Mais je dirais plutôt les deux DPS. Pas, par exemple, pas Lucio qui vous a grillé. Le Lucio, par contre, NDP, il était chiant, mais je dirais pas jusqu'à mettre un okay. MVP. Du coup, ça serait... Oui Par rapport au Amand, en fait, notre Lignox, notre main tank, il ne sait pas du tout jouer Winston, en fait. Du coup, si on part en dive, c'est obligé, soit en diva Amand, en fait. Mais ça peut être une bonne dive, en fait, c'est aussi ça. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. En tout cas, bravo, c'était un excellent match. J'espère franchement vous recast pour un autre match aussi beau. D'accord. J'espère voir un revanche, moi. Moi, j'attends encore la revanche, personnellement. J'attends que ça. On va finir ça, je pense. Ouais, et dès que vous avez programmé ça, vous m'appelez un petit coup de fil, j'arrive, hein, avec grand plaisir. Pas de soucis. Du coup, je te remercie. Akira, as-tu d'autres questions? Pour le moment, non, à part est-ce que tout le monde s'est cassé là? Ils ont rien à voir. Est-ce que j'aurais des choses à vous dire? Genre ça. Bah, est-ce que tout le monde a déco d'un coup? Parce que j'ai vu que tout le monde s'est cassé de la game. Y'a que Nizan. Nizan qui a déco, mais sinon. Ok. Bah, c'est dommage. Fait, hein. Il avait déco depuis deux games, du coup, sinon tout le monde est là. Ouais, ok. En tout cas, bah, GG à vous. Ouais, très bon match. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. C'est ça. Et vous avez géré, bravo. Juste. Du coup, maintenant, on va te laisser partir, Shenmain. Au revoir. Au revoir à toi. Et bonsoir à toi, Estwind, le fameux Lucio, un peu Reddit Storyboard, qui nous a offert un peu de boop, un peu de 1v1 avec cette petite Anna qui n'a vraiment pas aimé ça. Ah. Déjà, c'est le jeu, ma pauvre du 7, hein, c'est comme ça. Et d'ailleurs, Akira, as-tu des questions à ce Lucio? Des questions. À propos du Lucio en particulier? Non, à part de tout. À part de la team. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? C'est quoi la map qui vous allez poser le plus de problèmes? Le plus de problèmes? Ouais. Je dirais que c'est la première qu'on a faite. Si j'ai pas dit bêtise, c'était Oasis. Ouais. C'est ça. Non, c'est ça, c'est Oasis. Parce que c'était un peu la panique, parce que en fait, dans le tas, j'ai uniquement joué moi avec les deux DPS. Et tout le reste, c'est la première fois qu'il jouait dans le cadre de l'équipe. Et on avait un sub sur le tank, Zika. Très bon. Donc c'était un peu compliqué.
n'avait pas beaucoup d'expérience de jeu ensemble. Il n'y avait que les deux DPS qui avaient, il me semble, pas mal d'expérience, tous les deux. Et du coup, au début, on s'est beaucoup cherché et on a quand même eu un résultat assez satisfaisant sur Oasis parce qu'on a réussi à prendre des teamfights, à prendre des trucs. Et au final, ouais, non, je dirais que c'est celle-là qui a été le plus compliqué parce que c'était un peu pour prendre des repères. Et ouais, aussi Anamura, parce que Anamura, c'était. J'ai sorti la grosse artillerie. C'est ça. Et moi, j'aurais une question. Est-ce que le bastion sur Numbani, qui monte au top, était prévu ou c'était au feeling? Alors, si tu veux tout savoir, j'ai pas vu qu'il y avait un bastion au top, moi, de mon côté. J'étais concentré dans ce que je faisais. J'ai pas vu qu'il y avait un bastion. J'ai pas dû écouter la strat là-dessus. Pas de soucis, moi je voulais vous féliciter parce que en 2-0 remonté à 3-2, c'est juste. Ah, il faut le faire avec, surtout, avec une égalité en fait. C'est ouais. L'égalité. Et je vous invite tous hein, à vous sur le live à aller voir le replay parce qu'il y a eu un cast de génie, je pense. On n'a jamais joué un cast comme ça. Je pense que moi, je regarderai la réduif là-dessus. Ben, en tout cas, je tenais quand même à dire que c'était quand même impressionnant de votre part. Est-ce que, on va dire, quelle est votre composition là ? Parce que vous jouez quand même plusieurs compositions. Vous avez joué Double Shield, de la Brawl, de la Rush et de la Dive. Quelle est pour vous la meilleure composition ? Où vous vous sentez le plus à l'aise ? Bah là-dessus, je sais pas trop. Je dirais la composition qu'on jouait en fin de scrim, qui nous a permis, en fin de match. La rush. La rush, ouais, mais une rush un peu atypique avec une Pharah, etc. Avec une Zarya. Donc là-dessus, ouais, je pense que on s'est beaucoup cherché aussi. Je sais pas si c'est la meilleure des combos qu'on a sorti, mais en tout cas, c'est celle qui a le plus porté ses fruits. Donc là-dessus, je dirais la rush. Ouais, apparemment oui, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que justement vous avez gagné. Bravo à vous en tout cas. Est-ce que tu as une autre question? Parce que moi j'en ai une, Akira. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai vu sur nos manies que vous êtes fait ouvrir par leur dive au moment quand vous avez défendu. Est-ce qu'il y avait comment? Un manque de communication de votre côté? Ou alors c'était vraiment qu'ils étaient meilleurs enfin, est-ce qu'il y avait des soucis de votre côté ou c'était juste eux qui avaient mieux joué leur dive Alors, moi, personnellement, j'ai eu des soucis. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis passé sur ma 4G pour les maps d'après. Ah oui, oui, oui. J'ai eu des pings à 600 ms, mais bon, je pense que ça aurait rien changé parce que notre composition n'était pas adaptée. On a switch trop tard et du coup, ils ont snowball. Et leur Doomfist était vraiment bon. C'est assez dommage, d'ailleurs, qu'ils soient partis. Mais ouais, je pense que juste un problème de ouais, peut-être de communication sur les Switch là-dessus, on aurait peut-être dû étudier un peu mieux le sujet. Son Genji aussi qui vous a pas mal fait souffrir. Le Genji, oui, aussi. Ouais. Mais ouais. Ok. On a tenté un peu ce qu'on pouvait, mais ouais, on n'était pas ultra confiant après un 6-3 avec la time bug qu'on avait. C'est sûr. Mais on a essayé, c'est pas passé malheureusement, mais. Ce qui compte, c'est le résultat final, comme on dit. C'est ça. Ouais, mais justement, si ça avait été un quad map, on aurait perdu. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, le fait que ça soit un first to three, c'est pas ça mal. Ça vous a sauvé, ça. C'est ça. Et moi, je voudrais quand même vous donner une info. Je pense personnellement que vous stressez trop. Après, c'est parce que j'ai compris, c'est la première game que vous jouez un peu ensemble. Vous stressez trop quand il y a l'overtime. On vous a vu parfois faire paniquer et perdre des maps, comme Numani, comme Oasis, avec un overtime. Mais après, ça s'apprend, hein, en équipe, etc., c'est sûr. Et du coup, moi, ma dernière question, c'est pour toi, en face, le MVP d'en face. Le MVP d'en face ? Ouais. Je connais pas bien les pseudos... Dis-moi juste des noms et des rôles. Moi, j'aurais bien dit sur le début leur Doomfist, qui était vraiment bon, mais après, il s'est fait remplacer. Et je dirais leur Reinhardt.
par Reinhardt qui était vraiment bon. Il nous a souvent calé les shatters. Et là-dessus, il est chargé vite aussi. Mais à partir d'un moment, on a réussi à bien contrôler tout ça, même si sur Busan, ça a failli nous coûter. Enfin, ça nous a même coûté un side, enfin un round. Et plusieurs team fights comme nous mènent, comme Junkertown par exemple, ce shatter à 4 personnes. Ouais, peut-être, oui. Tu n'en souviens plus. je t'avoue que sur 2 heures de game. Ah non, mais je te comprends absolument. Du coup, ben, je te remercie pour tes informations. On va te laisser te reposer, aller manger, aller dormir. Hein. Ouais. Une bonne douche, hein, n'hésite pas à prendre une bonne douche, ça te fera du bien, je pense. Je risque pas de dormir, là. C'était intense, c'était vraiment, vraiment plaisant. Et, du coup, je regarderai sûrement la rediff. Elle sera disponible, bien évidemment, sur la chaîne de Blue Genji et partagée, bien évidemment, sur le Discord. Hein, Blue Genji, n'hésitez pas à le rejoindre en bas. Ok. D'ailleurs, je suis très content du dernier teamfight qu'on a fait parce que c'était pas forcément cool. Parce que, genre, moi, je me suis passé pour les boops. Il y a l'IMP qui est venu en même temps. Et Ulcio n'a pas pu remonter. Et oui, mais le truc c'est que moi j'avais pas entendu moi, l'IEM et tout, j'avais même pas entendu le plan de jeu, j'étais en mode ok là-dessus, est-ce que je peux tenter un truc clutch et tout. Et du coup, ça s'est parfaitement fait, peut-être un peu dommage que le Reaper soit pas tombé quoi. Mais en tout cas, ça a été une magnifique game en tout cas, dans les deux cas. Du coup, je te souhaite à toi et ton équipe une bonne soirée, un bon repos bien mérité. Bien merci. Évidemment. Et je voudrais cast la revanche. Je l'ai dit, je voudrais recast la revanche. Parce que. Une revanche. Ah, mais moi, je crois. Ça mérite une revanche. Ah, faut voir. Parce que je rappelle que c'était quand même notre premier match pour pas mal. Pour moi, avec Capo, c'était mon premier match. Avec notre le deuxième heal. Le deuxième mille, le Tux, si je dis pas de bêtises, c'était ma première game avec lui aussi. Donc, faut voir aussi, mais ça sera intéressant une revanche, ça c'est sûr. Et en fait, ils avaient un sub aussi, il me semble. Ils ont eu un sub au bout, après Anamora, ouais, ils ont eu un sub DPS. Ouais. Oui, en effet. Ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné avec leur DPS de base parce qu'il était, il arrivait vraiment bien à clutch à certains endroits et il avait l'air d'avoir une meilleure synergie avec ses tanks. Comme Fino ou Nasso, hein, on les a vus, mais on fire. Du coup, moi je vais te laisser partir et nous on va tout simplement délibérer du MVP. Moi ? Mais en tout cas. Pardon ? Ah non. J'ai rien dit. On va juste dire. Ah, t'as cru qu'on disait que c'était toi le MVP ? Moi j'aimerais bien. Bah, ça ferait plaisir. C'est ça, il faut demander au chat, hein, c'est au chat qui juge un peu. Bah, on a déjà notre victim of the game, hein. C'était justement le sub, hein, sur par exemple Junkertown. Il a pas passé un bon quart d'heure, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et repose-toi bien. Merci, il y a moins de me move. Du coup, mon cher Akira, moi personnellement, je vais annoncer mes plusieurs propositions en tant que, comment dire, en tant de MVP. Du coup, mes MVP plutôt, ça va être Nintox et Fino. Parce que j'ai vu Nintox mettre, comme a dit tout à l'heure, des shutters magnifiques. Il était bien positionné, il a fait un très bon taf. Et j'ai vu un Fino toujours présent sur certains pics. Et quand il était là, tu le sentais, quoi. Il piquait. Voilà. Pour toi, quels étaient justement les petits MVP ? Pour des raisons professionnelles, je vais pas me prononcer sur Chrono. ça a causé des débats. Par contre, du coup, en face NGNL, moi j'ai une mention spéciale à Zika pour un sub qui apparemment n'a pas d'expérience de team, qui a bien tenu la frontline, je trouve. Ah, c'est ça.
Et après, aussi Nat007, enfin bref, Nat, on va dire Nat, qui a pas mal clutch hein, sur son DPS, que j'ai trouvé vachement solide, qui a posé beaucoup de problèmes à la team, ça se voyait. Donc ouais, moi c'est ces deux joueurs-là que je mets en valeur du côté NGNL. Ok, c'est très partagé tout ça, j'apprécie beaucoup. Et on va écouter bien évidemment la petite production hein, qui a été en même temps cast, hein, qui m'a accompagné jusqu'au bout. Merci à toi, Mounty. Ouais. Et pour toi, quels sont les MVP ? Je vais te le dire honnêtement, j'en ai que un en tête. Hein. Je vais faire court, je suis fatigué. Enfin, je vais faire court, je vais parler directement de la personne. Hein. Je vais pas faire court, hein. Je vais vous faire poireauter, c'est pas drôle. Sinon, il est minuit, on va aller jusqu'à 1h du mat encore. Du coup, moi, je vais être honnête avec vous. Quand je choisis un MVP, quand il y a toujours, je regarde vraiment tout le jeu. Il y a toujours cette idée de ouais, on met trop les DPS en MVP, tout ça. Et c'est quelque chose que je prends toujours en compte et quelque chose que je contourne tout ça. Et je vais toujours aller voir tout. Donc les supports, les tanks, ce qu'ils font, pas forcément les dégâts qui sont faits, pas forcément les kills, les clutches, tout ça. Mais aussi tout ce qui est fait. Du coup, Fino MVP. Pour moi, non, ok, je vais développer là-dessus. C'était un peu violent comme j'ai lâché. En fait, pour moi, déjà sur Numbani et tout ça, rien que ça hache, toutes ces dynamites ont toutes touché. À mon avis, il n'y en a pas une seule qui n'a pas touché, à part celle qui n'était pas vraiment dans un fight. Toutes, en début de fight, en fin de fight ou en milieu de fight, elles touchaient tout le temps. Et c'est des dégâts considérables qui certes descendent lentement et peut être healé assez vite, mais c'est des dégâts qui sont pas à négliger. En plus de ça, son soldier aussi était maîtrisé as fuck. Et je dis pas ça à la légère parce que je suis actuellement en EDP soldier, j'ai encore une bonne dizaine d'heures à me taper dessus. Et je peux vous dire qu'il a un très très bon niveau dessus. En tout cas, enfin une très bonne vision de jeu surtout sur son soldier. Et pour moi c'était un DPS juste assez insane durant ce match. Et j'aurais bien voulu mettre un tank ou un heal, non pas pour faire plaisir, mais pas parce qu'il y a eu du beau boulot hein, du niveau des heals et tout. Hein. Je pourrais faire plein de mentions spéciales, mais il y en aurait beaucoup trop à faire. Mais pour moi, Fino a vraiment dominé et mérite cette place de MVP. Du coup, je pense que nous avons notre grand vainqueur, notre grand MVP, personne d'autre que Fino. On peut l'applaudir dans le chat, on peut l'applaudir chez soi, bien évidemment. Fino, qui finit MVP de ce match en 6 maps. Waouh ! C'est un truc de fou. Franchement, personnellement, même si j'aurais voulu voir aussi du main Reinhardt, enfin, Nintox, qui a été monstrueux sur son Reinhardt, hein. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai été pendant un long moment au TP Reinhardt, il a été vraiment monstrueux.